Bien, mes chers collègues, nous allons reprendre après cet interlude. Et pour commencer, un point organisationnel pour notre commission, puisqu'il nous appartient d'abord de désigner des rapporteurs pour les trois textes renvoyés à notre commission, dont le groupe Rassemblement national a demandé l'inscription à l'ordre du jour des séances qui lui sont réservées le 12 octobre prochain. Il s'agit des propositions de loi visant à soutenir les femmes qui souffrent d'endométriose, visant à supprimer ou à suspendre les allocations familiales pour les parents d'enfants criminels ou délinquants, visant la création d'un complément de revenu garanti par l'État pour les étudiants qui travaillent durant leurs études. Je suis saisie respectivement des candidatures d'Emmanuel Taché de la Pagerie, Brian Masson et Kevin Mauvieux. Y a-t-il des objections ? Il en est ainsi décidé. Ces textes seront à l'ordre du jour de la commission le matin du mercredi 4 octobre pour les deux premiers. Pour le troisième texte, la date sera tributaire de l'évolution de la discussion en séance publique du projet de loi pour le plein emploi. Nous reprenons l'examen, du projet de loi pour le plein emploi. Hier et cet après-midi, nous avons examiné 230 amendements. Il nous reste donc 894 amendements à examiner. Et nous reprenons sur l'amendement 1327 de Madame Garin. Madame Garin. C'est moi qui vais le présenter, Madame la Présidente. Donc c'est un amendement qui vise à donner des droits aux bénéficiaires du dispositif et aux bénéficiaires du RSA. Et notamment le fait de la possibilité d'obtenir réparation, ce qui crée une symétrie des obligations et des contrôles entre les demandeurs d'emploi et l'État. Et cela renforce le pouvoir des demandeurs d'emploi. Cela leur permet de contrer une action qui ne serait pas complète d'intervention avant toute diminution de leur RSA. Et en fait, ce serait vraiment d'utilité publique que de leur donner un petit peu de pouvoir dans cette négociation. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, merci, madame la présidente. Suivant, je comprends la portée de votre amendement, seulement il y a plusieurs soucis. D'abord, vous voulez engager la responsabilité de l'État, puisque vous le mentionnez effectivement explicitement. Pour autant, celui-ci n'est pas parti au contrat, puisque ce sont bien les organismes référents, et en particulier l'opérateur France Travail, qui contractualise. Donc votre amendement a donc une portée juridique contestable, puisqu'il vise à engager la responsabilité d'un acteur qui n'est pas signataire et donc pas responsable. Sur les voies de recours, je vous rappelle que le demandeur d'emploi dispose déjà de la faculté de faire un recours lorsqu'il conteste une sanction. Donc ses besoins propres étant pris en compte dans le contrat d'engagement, il pourra le faire valoir en cas de recours contre un contrat qui aura été signé par son conseiller référent. Et enfin, le troisième élément, c'est le niveau de sanction qui doit faire l'objet d'une précision dans la loi et non pas uniquement par décret. Donc pour ces trois raisons, je vous propose un avis défavorable. Merci. Donc je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Amendement du rapporteur. Oui, c'est un amendement rédactionnel, madame la présidente. Je mets aux voix l'amendement du rapporteur. Qui est pour ? Vous voulez intervenir sur l'amendement du rapporteur ? Pardon. Oui, justement. Allez-y, monsieur Monnet. Merci, madame la présidente. Ce n'est pas un amendement rédactionnel. Alors, dans votre logique, je comprends l'esprit rédactionnel. Je pense qu'on est au cœur de ce que l'on conteste dans ce texte de loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous supprimez le statut, vous supprimez la qualité de demandeur d'emploi. Pas spécifiquement à travers cet amendement, mais dans le principe, dans la philosophie de ce texte de loi. Et ça, nous, on le conteste. Parce que ça veut dire que le statut de demandeur d'emploi, c'était un statut qui permettait d'avoir des droits. Et donc, en supprimant ce statut, vous enlevez ces droits-là. Qui plus est, quand on écoute, ça veut dire que demain, vous allez avoir une liste que l'on appellerait liste d'une réserve de main-d'œuvre pour les entreprises et que vous allez recatégoriser à souhait de façon très opaque. Donc, ça aura forcément une incidence sur les nouveaux calculs du chômage. Et quand j'écoute le ministre qui dit qu'une fois qu'on aura atteint le plein emploi, qui sera atteint peut-être par les chiffres, il faudra avoir un débat sur la nature des allocations. C'est la porte ouverte à la fusion d'un certain nombre de prestations, par exemple. Donc nous, on pense que Merci. C'est grave. Merci. Monsieur Delaporte. Merci, madame la présidente. Moi, je voudrais aller en soutien de mon collègue Monnet, qui a très justement remarqué tout à l'heure que
cet amendement dit rédactionnel, en fait, avait une incidence d'ordre philosophique. C'est-à-dire que si, finalement, on n'inscrit plus... si on inscrit à Pôle emploi, on va dire, ou à France Travail, les allocataires du RSA, bon, OK, on peut le comprendre, mais donc on les inscrit sur quoi? On les inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. Or, selon l'article L5411-1 du Code du travail, à la qualité de demandeur d'emploi, toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. Et justement, il y a cette précision importante, c'est que le demandeur d'emploi est celui qui demande. Et donc, en remplaçant les allocataires du RSA en inscrits non demandeurs, eh bien finalement, il y a une incidence juridique. Merci. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, je rappelle qu'il est rédactionnel parce qu'il renvoie à la modification que nous avons proposée en votant l'article 1er. Alors, je ne dis pas que vous l'avez voté, mais non, mais on ne sera pas d'accord sur la conclusion parce que vous n'avez pas voté l'article, nous l'avons voté. Mais en écriture légistique, on se doit respecter comme la cohérence, d'où son caractère rédactionnel. J'entends que vous le contestez, mais pour autant, il l'est. Merci. Donc, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de monsieur. Cet amendement du rapporteur qui est pour. Qui est contre? Il est adopté. Deux amendements identiques. L'amendement 90, monsieur Delaporte. Oui, merci madame la présidente. Il s'agit ici finalement de supprimer la fin de l'alinéa 8 après emploi. Ce qui ferait que, je le lis, les engagements, enfin voilà, on prend en compte que les engagements du demandeur d'emploi et on retire la mention de l'assiduité ou de l'activité, de la participation, ou du degré d'assiduité de la participation. Parce qu'aujourd'hui, finalement, ce sont des textes, des termes qui sont extrêmement infantilisants pour les signataires des futurs contrats d'engagement. Et en outre, ils ne sont pas très clairs, ils ne sont pas définis dans le texte. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, si on lit ça, l'assiduité et la participation active? Est-ce que vous pouvez me faire la différence entre l'assiduité et l'activité de la participation, comment est-ce qu'on peut le mesurer? Bref, on a une loi qui, non seulement, est bavarde, mais qui risque d'avoir des incidences derrière, puisqu'elle pourra être opposée aux allocataires du RSA. Merci. Monsieur Daréville. Oui, madame la présidente, c'est le même amendement qui, effectivement, propose de supprimer ces deux mentions extrêmement infantilisantes pour les personnes concernées, qui, effectivement, sont difficiles aussi à évaluer. Et je vous cite quand même le texte pour qu'on ait bien en tête de quoi il s'agit. Les engagements du demandeur d'emploi, parmi lesquels son assiduité et sa participation active. C'est-à-dire qu'en plus, il y en aurait d'autres qu'on ne connaît pas, mais là, vous faites la moitié d'une liste. Vous nous avez expliqué tout à l'heure que soit on fait une liste en entier, soit on ne la fait pas. Là, elle n'y est pas en entier. Et donc, moi, je suis pour faire confiance aussi, comme vous l'avez beaucoup dit dans les discussions, à celles et ceux qui vont devoir mettre en œuvre cette réforme. Et donc, il n'y a pas besoin de rajouter ces deux mentions infantilisantes à l'intérieur pour leur permettre de faire leur travail. Monsieur le rapporteur. Oui, bah, sans surprise, on ne partage pas la même lecture. J'en suis désolé, mais ça renvoie quand même au contrat d'engagement qui va justement stipuler quels sont les engagements que va prendre d'une manière concertée dans le cadre de l'engagement réciproque lié au contrat d'engagement. Donc à ce titre, je ne vois pas le caractère infantilisant de rappeler quand même que c'est assujetti à une assiduité et la participation, on ne trompe personne. Monsieur Le Gall. Favorable. Oui, effectivement. D'abord, ces mots assiduité et participation active, franchement, c'est pas des gros mots. Et puis surtout, c'est pas nouveau. Aujourd'hui déjà, si vous ne respectez pas les engagements, au bout d'un certain temps, les départements peuvent, et la plupart le font d'ailleurs, convoquer une commission pluridisciplinaire qui peut prononcer une radiation pure et simple. Donc encore une fois, on revient à l'esprit 1988. Ce type de sanction existait déjà. Si vous ne respectez pas les engagements, si vous ne veniez pas au rendez-vous fixé par votre conseiller, déjà aujourd'hui, eh bien, vous pouvez être radié. Ce n'est pas nouveau. Monsieur Delaporte. Oui, alors je ne suis pas du tout d'accord avec mon collègue Le Gac, puisque ce qu'il vient d'évoquer, ce n'est pas du tout la participation active ni l'assiduité, c'est la présence ou non à un rendez-vous. Ça, c'est un critère objectif. Maintenant, j'ai demandé au rapporteur de me dire quelle était la différence entre assiduité et participation active, si c'était tautologique ou non, et dans le cas où ce n'était pas tautologique, qu'il puisse le définir, puisqu'il y a là, ici, un enjeu de clarté de la loi.
Et donc, il faut que le rapporteur puisse s'exprimer, ou à défaut, c'est le ministre qui devra le faire, pour qu'on puisse comprendre ce qu'il y a derrière cette notion d'assiduité et ou de participation active. Je rajouterai que cet amendement a été travaillé par le collectif Alerte, qui est extrêmement inquiet, justement, sur ces termes, parce qu'il crée à la fois de l'insécurité juridique et du stress chez les allocataires, et finalement un état de mal-être qui ne fera qu'être renforcé. Merci, Monsieur Daréville. Oui, merci Madame la rapporteure. Je trouve que Monsieur Legac a une lecture bien singulière des textes de 88 qu'on pourrait discuter, mais en fait c'est pas cela dont nous discutons. Et par ailleurs, si vous respectiez vraiment l'esprit de 88, vous mélangeriez pas l'assurance chômage et le RSA, le RMI, etc. Or c'est précisément l'objet de ce texte. Donc bon, on peut bien parler de 88, c'est très intéressant, mais en l'occurrence c'est même pas le sujet. Donc voilà, le revenu minimum en 88. C'était un revenu minimum d'insertion. Et donc, il était par nature d'insertion, ce revenu. Ça n'empêche pas qu'il y avait un certain nombre de préconisations. Mais cela dit, là, vous durcissez encore la loi. C'est ce que vous êtes en train de faire. Et avec précisions inutiles que vous apportez, voilà, c'en est le témoignage. Parce que lorsque, je termine d'une phrase, lorsque, monsieur le rapporteur, vous me dites « c'est le contrat d'engagement », le contrat d'engagement, à ce moment-là, il est défini avec la personne concernée. C'est un contrat. Et à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Merci, madame Bergant. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je voudrais quand même... depuis le début des débats, vous nous accusez très souvent de stigmatiser les demandeurs d'emploi. Mais moi, je trouve que vous stigmatisez les professionnels, en réalité, qui travaillent auprès des demandeurs d'emploi et des bénéficiaires du RSA, parce qu'en réalité, vous ne leur faites pas confiance. Non, vous ne leur faites pas confiance dans leur aptitude... À faire un diagnostic, à évaluer la situation, à être dans l'échange avec le demandeur d'emploi et à pouvoir construire un contrat d'engagement réciproque avec lui. Cette loi, je le rappelle, c'est un cadre en réalité. Et c'est un cadre qui promeut l'accompagnement intensif quand il peut l'être, rapide, parce qu'on sait que plus rapidement on intervient, mieux c'est. Mais c'est un cadre et il faut faire confiance aux demandeurs d'emploi et aux bénéficiaires du RSA, mais faire confiance aux professionnels qui les accompagnent. Merci. Madame Simonet. Mes chers collègues, faire confiance aux professionnels qui les accompagnent, c'est une chose. Faire confiance à l'institution... et aux directives données par les ministères, c'en est une autre. Pour qu'il y ait une confiance entre la représentation nationale et plus globalement le peuple et les institutions, encore faut-il que les injonctions ministérielles et des institutions soient publiques. Or, excusez-moi, mais c'est quoi quand on fait le bilan de la suite de la réforme de l'assurance chômage ? Ça a été une chasse aux chômeurs et des radiations à tour de bras. Comment voulez-vous qu'on ait confiance et qu'on pense autre chose que le fait, c'est bien que toutes ces sanctions, ces assiduités, ces injonctions visent qu'une chose, radier les demandeurs d'emploi, radier les allocataires du RSA. Et je sais, par ailleurs, toute la souffrance au travail que ça peut être pour ceux qui se sont engagés à Pôle emploi, qui sont engagés dans la défense d'un service public par altérité à vouloir être en solidarité et aider les autres, quand des injonctions totalement contradictoires tuent le sens de ce métier. Alors non, la confiance, elle n'est pas là. Merci, Madame Rousseau. Merci. Moi, j'aimerais savoir ce que ça veut dire participation active. C'est-à-dire que si une personne vient dans une formation, par exemple, et qu'elle ne parle pas, est-ce qu'on est dans le cadre d'une participation active ou pas active ? On n'est pas dans le cadre d'une participation active. Donc ça veut dire que... Si elle est muette. Non, mais... Ça veut donc dire... Et j'ai vu monsieur le rapporteur qui m'a dit non, quand on parle pas, quand on est assis et qu'on parle pas, on n'est pas dans une participation active. Ça veut donc dire... Alors, voilà. La question, c'est... Alors maintenant, si on est assis, qu'on parle pas, mais qu'on prend pas de notes, est-ce qu'on est en participation active ou pas active ? Non, mais en fait, vous voyez un peu le caractère kafkaïen, mais vraiment kafkaïen et ridicule de ce que vous mettez en place. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va appeler assiduité ? Une personne qui arrive un quart d'heure en retard, par exemple. Les personnes qui sont au RSA, certaines sont très éloignées de l'emploi. Certaines ont du mal à se lever, par exemple, à une heure donnée. Qu'est-ce que vous allez appeler assiduité ? S'ils arrivent avec une demi-heure de retard, est-ce que c'est de l'assiduité ? Merci, s'ils ne chers parlent pas, collègues. Est-ce que c'est de la participation active ? Bien. Je mets aux voix ces amendements identiques qui ont reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre. Ils sont rejetés.
Amendement 709 de Madame Lebon. Merci Madame la Présidente. Je m'excuse, je vais employer des termes, mais j'ai peut-être pas un vocabulaire très, beaucoup moins élargi que vous, mais cette proposition de loi, c'est un peu une proposition le café du commerce. C'est-à-dire qu'on a le sentiment quand même que vous y avez mis tous vos préjugés. Quand vous prenez la peine d'écrire un alinéa sur la question de l'assiduité et sur la question de la participation active, c'est que vous estimez que ça pose un problème dans l'accompagnement. Alors sur quoi reposez-vous ce préjugé ? Moi, tel que je lis cet alinéa, c'est que vous considérez que le manque d'assiduité et le manque de participation active sont une des raisons pour lesquelles les personnes ne s'intègrent pas professionnellement. Ça veut dire ça, cet alinéa. Si vous prenez la peine de spécifier, c'est que ça veut dire ça. Et c'est ce qu'on écoute. C'est un peu les propos du président de la République quand il dit qu'il y a qu'à traverser la rue pour trouver du boulot, avec beaucoup de mépris. Donc ça, vous le mettez en œuvre avec ce projet de loi. Mais sur quoi vous basez-vous ? Concrètement, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est ce problème d'assiduité, de participation active qui sont un frein ? Vous le spécifiez. Donnez-nous des éléments factuels. Parce que là, autrement, on est dans la discussion café du commerce, où on explique que les chômeurs, c'est des feignants, et que, ma foi, s'ils n'ont pas de boulot, c'est bien de leur faute. C'est exactement ça, cet alinéa. Donc donnez-nous des éléments factuels sur lesquels on puisse travailler sérieusement. Monsieur le rapporteur. Et moi, je vous laisse votre propos qui dit que les chômeurs sont des feignants, parce que ce n'est pas du tout celui qu'on a employé. Par contre, je vous réaffirme que voilà notre volonté, effectivement, c'est d'accompagner vers l'emploi dignement, plutôt que de conforter, évidemment, dans la minima sociale qui n'est qu'une survie, vous l'avez dit tout à l'heure. Par contre, je me dois de commenter votre amendement, celui que vous avez défendu, Mme Lebon, en vous réaffirmant, effectivement, que le contrat d'engagement prévoit la réciprocité, donc il est inutile de préciser, déterminer concrètement avec l'organisme référent. Merci, Monsieur Dharréville. Merci Madame la Présidente. Je voudrais juste, moi, pour là aussi être un peu factuel, vous dire que précédemment, ces notions-là n'étaient pas inscrites dans le Code du travail. Donc c'est une nouveauté. Donc il faut défendre cette nouveauté, il faut nous expliquer en quoi cette nouveauté est importante et à quoi elle sert dans votre dispositif. Ce qui était inscrit jusque-là et seulement mentionné, c'était l'obligation d'accomplir, je cite, des actes répétés et positifs de recherche d'emploi. Voilà. Donc vous changez les formules. Si vous les changez, c'est qu'il y a une raison. Donc il faut nous expliquer pourquoi et nous convaincre. Pour l'instant, on n'avait pas réussi. Monsieur Delaporte. Non, mais j'entends que le rapport de conviction soit parfois difficile à établir, mais là, il ne s'agit pas d'un rapport de conviction, il s'agit d'un rapport de définition. Ce qu'on demande ici, c'est simplement, et cet amendement est de nouveau l'occasion de le poser, une précision sur le sens du texte. Vous avez des parlementaires qui souhaitent être éclairés, et plus largement, qui souhaitent éclairer les citoyens sur le sens de la loi qu'ils votent. Quelle est la différence entre assiduité et participation active ? Quelle est la différence entre ce que vient d'évoquer mon collègue Dharréville, qui est l'obligation d'une participation répétée ? Active est-il différent de répéter, réitérer ? Active est-il c'est un qualificatif qui de qualité, hein ? L'action, c'est une qualité, c'est pas une quantité. Et par ailleurs, l'assiduité, elle peut se mesurer ici, mais voilà, c'est ce qu'on a quand on mesure, par exemple, des élèves dans une classe. Hein, on va dire, monsieur le rapporteur, bonne participation, assidue et présent. Mais est-ce que c'est ça qu'on demande aux demandeurs d'emploi ? Madame Le Nabour. Alors, je vais vous donner la différence, puisque je suis depuis une douzaine d'années maintenant les conseillers en insertion des missions locales. L'assiduité, vous pouvez très bien avoir un jeune qui vient parce qu'on lui impose de venir, mais qui n'est absolument pas impliqué et qui n'a pas la volonté, en fait, de suivre les activités. Et vous oubliez un morceau de la phrase. Dans l'alinéa, c'est bien la participation active aux actions prévues par le plan. Le plan d'action, il est défini avec la personne au moment de l'accueil du diagnostic. Donc, je veux dire, c'est pas... Voilà. Et si ça existe dans le texte, c'est parce que les conseillers sont confrontés aussi... C'est peut-être pas la majorité, mais sont confrontés effectivement à une inactivité des jeunes qui le reçoivent en mission locale. Merci, Madame Amrani. Merci, Madame la Présidente. Donc, du coup, si je comprends bien, chers collègues, quand vous dites assiduité, il faut parce que du coup, pour moi, assiduité, ça veut dire être présent, etc. Et vous, pour vous, assiduité, ça veut dire qualité. Donc, c'est exactement ce que vient nous dire, c'est-à-dire qu'il faut. C'est un peu ça que vous venez nous expliquer dans l'exemple que vous nous avez donné, chers collègues. Ça veut dire qu'un jeune qui n'est pas intéressé par ce qu'on lui propose, par l'emploi qu'on lui propose, en tout cas parce que ce que vous voulez lui proposer comme emploi, s'il n'est pas intéressé par cet emploi-là parce qu'il ne lui convient pas ou ce n'est pas du tout ce qu'il recherche ou qu'il ne se sent pas... Oui, intéressé.
Alors, activité, à part faire un CV, donc du coup, une activité. Donc, si l'activité que vous lui proposez ne lui convient pas, alors je ne sais pas quel type d'activité vous allez lui proposer, parce que ça, on ne sait toujours pas. On ne sait toujours pas quelle activité vous allez lui proposer. Donc, si vous avez un exemple d'activité concrète à nous présenter, puisque nous, on n'a pas eu le retour des expérimentations, donc si vous pouvez nous faire un retour là-dessus, ou un exemple concret, ben moi, je suis preneuse. Merci, je mets aux voix... Ah pardon, monsieur Turquois, allez-y. Oui, mais faut qu'on arrête de parler à côté de la plaque. Il y a eu quand même une notion aussi d'efficacité dans l'action des travailleurs sociaux. Et je pense que, par exemple, si je prends l'exemple de vos collaborateurs, que vous expliquiez à un moment donné, j'aimerais que notre relation de travail soit avec assiduité et participation active. Tout le monde voit ce que c'est. Ça ne veut pas dire que c'est tous les jours. Ça peut vouloir dire qu'on comprend qu'il puisse y avoir des situations où il y a un écart sur les horaires, que l'investissement ne soit pas le même. Mais l'assiduité, la participation active, c'est très clair pour tous nos concitoyens, sauf, à mon avis, pour les députés de la NUPES. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Amendement 845, monsieur Boucard, il est défendu ? Monsieur Véry, je ne vois pas. N'est pas défendu. Amendement 1312, monsieur Pétavi. Merci, madame la présidente. Monsieur le rapporteur, je voulais revenir sur la discussion que nous avons eue autour du handicap et avec notamment la formation de tous les agents autour du handicap. Il y a, il me semble, quand on a l'ambition d'avoir une société inclusive, on ne peut pas se contenter d'avoir juste des agents de Cap Emploi qui vont pouvoir accueillir les personnes en situation de handicap. Et je crois qu'on a un tel retard aujourd'hui qu'il est essentiel de pouvoir former tous les agents. Ça me semble essentiel, et essentiel si on fait le lien avec ces questions d'assiduité et de participation active. Quel sens ça va avoir quand on est en situation de handicap ? Quand on est en situation de handicap invisible et de tous les préjugés qu'il peut y avoir ? Quand il y a 37% des personnes en situation de handicap qui ont connu une discrimination à l'embauche. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, c'est une discussion effectivement que nous avons eue tout à l'heure. Et j'ai bien rappelé qu'effectivement, l'ambition finalement était de tendre vers une formation complète de l'ensemble des agents en question de handicap. Et je vous ai expliqué que la portée de l'écriture que vous proposiez tout à l'heure, puisqu'on revient sur l'amendement, finalement visait à exclure ceux qui n'étaient pas encore formés. Donc, puisque nous avons une montée en charge progressive du dispositif, il y aura bien évidemment à accompagner la formation des uns et des autres. Et je vous ai effectivement invité à ce qu'on travaille de concert, peut-être pour trouver une écriture qui soit satisfaisante d'ici la séance. Donc sur l'amendement en question, que vous n'avez pas encore défendu, mais que je vais quand même commenter, donc je voudrais vraiment essayer de vous rassurer en disant qu'un accompagnement spécifique sera donc évidemment mis en place pour les demandeurs en situation de handicap, accompagné par les organismes spécialisés qui ont l'expertise pour accompagner ces demandeurs, même si l'objectif, ce sera que l'ensemble des personnels puissent eh bien réaliser cet accompagnement convenablement. Et symétriquement, donc les devoirs de ces demandeurs, bien évidemment, tiendront forcément compte de leurs éventuelles contraintes. Donc à ce stade, j'ai bien un avis défavorable à votre amendement. Merci. Je vais donc mettre aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Amendement 1313, monsieur Pétavi. Donc par cet amendement de repli, le groupe écologiste souhaite à minima que les engagements imposés aux demandeurs d'emploi tiennent compte de leur état de santé et leur niveau de validité, en particulier dans le cas des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Donc en 2022, comme je le disais tout à l'heure, 37% de ces personnes handicapées déclaraient en effet avoir subi une discrimination au cours d'une recherche d'emploi, contre 16% pour l'ensemble de la population, selon l'association ADAPT. Aller vers davantage de droits communs pour les demandeurs d'emploi en situation de handicap ne doit pas se faire au prix de sanctions supplémentaires et d'obligations qui laissent une marge d'interprétation beaucoup trop importante et dommageable pour ce public. Monsieur le rapporteur. Oui, je réitère, de telles difficultés sont déjà prises en compte dans le contrat d'engagement tel que prévoit l'alinéa 7 de notre texte en lien avec les objectifs assignés d'insertion sociale ou professionnelle. Donc avis défavorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Amendement 878 de monsieur Boyard. Qui le défend ? Madame Simonnet.
Oui, Madame la Présidente. Écoutez, à travers cet amendement, nous proposons d'exonérer de l'obligation d'assiduité les parents de familles monoparentales. C'est un amendement de repli, mais je vous demande de le prendre en compte. Franchement, les familles monoparentales, c'est une famille sur quatre en France. 96% des allocataires du RSA majoré sont des femmes. 54% des bénéficiaires du RSA sont des femmes. 48,7% des mères isolées avec un ou des enfants à charge. Et vous savez tous que la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, c'est déjà d'une extrême difficulté. Alors les 15 à 20 heures d'activité par semaine, eh bien pour beaucoup, ça va être mission impossible. Et en plus, par ailleurs, pour faire quoi, on ne sait pas. Vous imaginez la pression, l'enfant il est malade, on a un rendez-vous chez le médecin, on doit aller le chercher à l'école, mais non, il y a le rendez-vous. Et ce rendez-vous il est hyper important parce que si je le rate, je peux perdre le RSA. Et comment je vais remplir le frigo? Et je suis toute seule, il n'y a personne pour m'aider. Vous vous rendez compte de l'angoisse dans laquelle on va plonger les allocataires du RSA des familles monoparentales? Alors je vous le demande, vraiment, exonérer de l'obligation d'assiduité dans le contrat d'engagement les parents de familles monoparentales. Ayez cette humanité, ayez cette conscience de la difficulté des femmes, familles monoparentales. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, il est tout à fait possible d'adapter les engagements du demandeur d'emploi dans son assiduité en fonction de la situation personnelle familiale en application de l'alinéa 10. Et les exemples que vous donnez sont tout à fait des exemples qui permettent de justifier à l'exonération. Ben, si vous hochez, vous dites non. Ben, alors, ça veut dire que l'interlocuteur, le travailleur social, ne serait pas capable d'apprécier la justification que vous venez d'évoquer. Ben, allons quand même un peu de sérieux. Donc, je suis désolé, vous grossissez le trait à l'excès. D'ailleurs, le ministre, dans son audition, a rappelé que ces exemples que vous citez, notamment à l'attention des familles monoparentales, rentrent dans la catégorie des excuses qui justifient finalement d'avoir loupé un rendez-vous autre. Ben, vous faites un raccourci vraiment hâtif qui vous sert peut-être à draguer un électorat, mais excusez-moi, en l'espèce, ce n'est pas du tout à la portée du texte. Merci. Monsieur Turquois. Oui, là, je vais vous dire, je suis outré de la précédente intervention. Les questions des femmes isolées avec enfants, c'est un enjeu majeur. C'est une vraie assignation à résidence. Dans ma propre commune, j'en ai connu et qui demande à pouvoir sortir et justement qu'on les aide à dépasser les problématiques de garde d'enfants parce qu'elles sont seules et face à ça. Donc, il y a un besoin d'accompagnement. Évidemment qu'il faut tenir compte de la situation pour avoir un accompagnement adapté. Mais c'est un des enjeux majeurs et je pense qu'on aura, si on accompagne mieux les femmes qui sont seules avec leurs enfants, alors je crois qu'on aura fait un progrès pour notre société. Oui, monsieur Taché de la Pagerie. Je vous remercie et je rejoins, ça peut paraître curieux, bref, peu importe, les attendus et l'avis de ma collègue Simonet. Vous ne pouvez pas assigner à résidence les femmes. Les situations monoparentales sont gravissimes. Les femmes, je le vois dans ma circonscription des Bouches-du-Rhône, sont assignées à résidence par rapport à des problèmes. Excusez-moi, je parle. Je prends la parole. Merci. Merci. Chers collègues, écoutez-moi. J'ai face à moi au quotidien des femmes qui sont assignés à résidence face à la charge familiale, qui sont en recherche d'emploi et qui ont des petits emplois. Merci d'y répondre. Je ne crois pas, mais clairement, hein, vous pourrez tous vous cacher derrière vos hygiénismes confondus. Oui, oui, mais je... Pardon ? Ah, j'aime bien les jugements de valeur. Excepté que vous ne pouvez pas assigner les femmes à résidence. J'ai beaucoup de femmes chez Merci. Moi. Madame Panossian. C'est pas grave, je reprends la parole. Non, j'entends. Allez-y, Madame Panossian, s'il vous plaît. J'entends les préoccupations légitimes de la s'il vous plaît, de ma collègue Madame Simonet, mais. Ce que vous sous-entendez, Madame Simonet, c'est que le travailleur social qui va recevoir et accueillir cette femme
qui a la charge toute seule de la famille, n'est pas en mesure d'apprécier la situation, n'est pas en mesure d'avoir ce dialogue avec cette personne et de lui dire, alors écoutez, vous serez exempté de cette question d'assiduité où on va adapter le plan d'accompagnement. Je trouve que ça relève vraiment d'un manque de confiance des professionnels. Et d'avoir à prescrire ça sans se baser sur leur capacité de discernement, ça dit quand même quelque chose de ce besoin de tout prescrire au détail près. Moi, je fais confiance aux professionnels d'accueillir et d'avoir le bon discernement en fonction des publics. Et quand on voit une femme qui s'occupe toute seule de ses enfants, qui galère précisément comme vous l'avez dit, comme on le Merci. Connaît dans toutes nos permanences, on a le bon discernement. Et Merci. Il faut faire confiance à ces professionnels. Merci, Madame Rousseau. Oui, Hélène Périvier, qui est une économiste qui a beaucoup travaillé sur les questions de système social et du rapport genré à notre système social, nous a fait des travaux tout à fait incroyables pour montrer que précisément les femmes, le système social français permettait de protéger les femmes et de les émanciper si elles ne considéraient pas qu'elles avaient une charge particulière parentale et qu'au contraire, elles leur offraient des crèches et des possibilités de garde pendant, au même titre que n'importe qui et qu'elles puissent du coup libérer leur temps pour aller, pour aller s'insérer. Et en fait, là, on revient en arrière là-dessus. C'est-à-dire qu'on va considérer que les femmes des familles monoparentales sont dispensées d'une forme de contrat, alors même que les contrats dont vous nous vantez depuis le début le caractère tout à fait miraculeux sur la sortie de la pauvreté, et en fait, là, vous allez nous imposer que les femmes soient dans une situation d'exception. Et je vous le dis, là, on est dans un retour en arrière même vis-à-vis de la philosophie de notre système social et un retour Merci. En arrière de plusieurs années. Merci. Monsieur Clouet. Madame Simonet, alors. Oui, après, pas de problème. Bien. Moi, je vais essayer de rester zen et de voir les choses de manière positive. Très bien. Puisque vous intervenez toutes et tous pour dire qu'il faut cesser d'assigner les femmes monoparentales à résidence, je vous propose ce soir un engagement commun. Que dans le prochain PLF, nous votions à l'unanimité un amendement qui donne vraiment les moyens à l'ensemble des collectivités du territoire de la République de mettre en œuvre un service public de la petite enfance, avec un service public de la petite enfance opposable, pour qu'aucune mère isolée qui fasse une demande de place en crèche pour ses enfants ne soit sans solution. Chiche, faisons-le. Mais vous savez pertinemment que dans le budget de l'an dernier, vous avez au contraire asphyxié les collectivités qui ont vu leur dotation baisser, que dans la loi de programmation budgétaire que vous apprêtez d'imposer à coup de 49.3, la programmation de la saignée des moyens aux collectivités, elle sera là. Merci. Et ceux qui en perdront, c'est les femmes. Merci. Alors stop. Monsieur non, Delaporte. Je ne veux pas d'algorithme qui condamne les femmes Monsieur à des rendez-vous Delaporte. Qu'elles ne pourront pas prendre. Merci, Madame Et je veux Simonet. Une égalité sur... Monsieur Delaporte. Merci, Madame la Présidente. Je pense que là, on est au cœur de ce qui fait notre fonction de législateur. Ben oui, c'est l'accordaire, vous savez, c'est celui qui dit que finalement, entre le maître et serviteur, la liberté opprime et la loi affranchit. Ici, on est sur un enjeu d'émancipation parce qu'on sait très bien que quand on laisse un cadre flou, ben derrière, non seulement il y a un loup, mais c'est à l'agent qu'on laisse en fait la capacité d'appréciation. C'est l'agent qu'on met en difficulté de savoir si, oui, cette famille monoparentale est, finalement justifie que la femme n'ait pas des obligations à rendre, ou non, ce n'est pas le cas. Et finalement, notre rôle, nous, de législateurs, c'est d'utiliser la loi pour protéger ces familles monoparentales. Parce que s'il y a un accord commun pour dire que quand on est en situation de garde d'enfants, on n'a pas à remplir tous ces engagements, eh bien, allons-y. Allons au bout de la logique. Allons au bout de la logique. Et protégeons-les, effectivement, plutôt que de dire que, évidemment, l'agent aura l'intelligence d'eux. Non, Merci on ne peut beaucoup. Pas laisser. Merci. Allez, je mets au voie cet amendement qui a reçu un avis défavorable de M. le rapporteur, qui est pour. Qui est contre, il est rejeté. Amendement 854 de M. Monnet. Merci, Madame la Présidente. J'ai bien compris qu'on n'allait pas vous convaincre. Alors, cet amendement vise à ce que le contrat d'engagement tienne compte de certaines suggestions personnelles du demandeur d'emploi, et en particulier d'un parent isolé avec enfant en situation de handicap, d'un aidant ou encore d'une femme enceinte isolée. Je sais, c'est des amendements dont on vient de discuter.
Nous, on n'arrive pas à vous convaincre. Je tiens à vous dire que cet amendement, il est issu de propositions formulées par le collectif Alerte. Le collectif Alerte, c'est un certain nombre d'associations qui ont pignon sur rue. Il y a notamment ATD Quart Monde, l'APF, Action contre la faim, le Secours catholique, le Comité chrétien de solidarité avec les chômeurs et précaires. Si ces associations, à la lecture de ce texte, nous proposent ce type de préconisation, c'est bien qu'elles ont constaté que sur les populations qu'elles ont identifiées et l'analyse qu'elles font de ce texte, il y a danger. Que vous ne nous accordiez pas l'intelligence nécessaire pour amender ce texte, je peux vous l'accorder, on a quelques divergences politiques, pourquoi pas? Mais il y a la Fondation Emmaüs aussi. Mais que ces associations, vous ne pouvez, enfin, elles sont d'une pluralité exemplaire. Et on ne peut pas les soupçonner d'être dans des manœuvres politiques sur ces questions-là. Donc si elles font ce type de préconisation que nous avons pris, et je sais que mes collègues ont repris d'autres formes d'amendements, c'est bien qu'elles ont identifié un problème, mais vous ne pouvez pas être aveugle à ces problèmes qu'elles ont identifiés. Merci. Monsieur le rapporteur. Alors on est tellement peu aveugle, chers collègues, qu'effectivement, en vertu de l'alinéa 10, qui prévoit que le contrat tient compte notamment de la situation personnelle et familiale, votre amendement est satisfait. Merci beaucoup. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Deux amendements identiques. Madame Garin, le 476. Oui, alors il s'agit de supprimer l'alinéa 9, c'est-à-dire celui qui impose 15 heures d'activité hebdomadaire dans le cadre du contrat d'engagement qui est fait avec le demandeur d'emploi. 15 heures d'activité hebdomadaire. Déjà, la première question que je voudrais vous poser, c'est quoi une activité ? Qu'est-ce que c'est qu'une activité ? Et qu'est-ce que... Et qu'est-ce... Non, mais je voudrais savoir ce qu'est une activité dans la loi. Oui. Et en fait, je pense que cette question est loin d'être anecdotique en réalité. Par ailleurs, si l'activité s'apparente à du travail, alors c'est 15 heures de travail qui seront non rémunérées et qui pèseront sur l'ensemble des salaires non qualifiés. Qu'appelez-vous activité ? Pourquoi 15 heures ? Alors qu'on ne sait pas dans quel état est la personne qui est au RSA et dans quelle mesure elle sera capable de remplir ses obligations. Je voudrais que vraiment on mesure ce qui est en train d'être fait et je voudrais la définition d'activité. Amendement 554, Monsieur Ratenon, qui le défend, Monsieur Clouet. Merci Madame la Présidente. Alors on est là effectivement au cœur du sujet. Vous voulez imposer 15 heures donc, d'activité obligatoire aux allocataires du RSA, quelle que soit la raison de leur allocation, hein, mère isolée, agriculteur avec une mauvaise récolte par exemple, ainsi qu'aux chômeurs. Cet ajout, il vient du Sénat. On le sait, donc je me suis replongé dans les discussions sénatoriales, évidemment, pour mieux saisir ce que vous vouliez faire. Je pense notamment au propos de Mme Gruny, sénatrice de l'Aisne, qui dit « Ces actions rajoutées, ces activités obligatoires, sont toute action concourant à l'insertion » Par exemple, du bénévolat, on vient d'inventer le bénévolat forcé, 15 heures par semaine, alors du bénévolat forcé, je n'appelle ça du travail, mais bref, ou de la formation, y compris donc des mises en situation de travail ou du recrutement par simulation qui constitue une activité productive, donc non payée. Ensuite, j'ai regardé les expérimentations dans les départements. Et miracle, il y a dedans des stages. Alors le stage, c'est, vous savez, l'étape avant un emploi, mais c'est du travail. C'est pas parce que c'est pas un emploi salarié que ce n'est pas du travail, c'est bien du travail. Donc on a des activités qui, pour vous, ne sont pas du travail, mais s'y substituent ou le complètent. Ben pour moi, ça s'appelle du travail. Et si certains disent, je l'ai bien entendu, notamment du côté du ministre, qu'il y aura aussi dans ces activités, par exemple, passer le permis, prendre soin de soi, eh bien, je trouve cela presque pire encore, car pour aider les gens, d'après vous, à prendre soin d'eux, vous les menacez de leur retirer tout revenu. Parce que c'est ça, le contrat d'engagement. C'est que vous leur dites, pour votre bien, vous aurez 15 heures d'activité obligatoire, et si vous dérogez à une des 15 heures, on vous suspend votre revenu. Donc pour aider les gens à prendre soin d'eux, on les fait passer de 600 balles à zéro. J'appelle pas ça prendre soin des gens, j'appelle pas ça les aider, j'appelle ça de la torture et de l'indignité. Merci, monsieur le rapporteur. Oui,
Merci, Madame la Présidente. Le plan d'action visé à la ligne 9, effectivement, est un élément structurel du contrat qui a été signé et élaboré par le demandeur d'emploi avec son organisme référent. Je parle de contrat d'engagement réciproque, je le rappelle. Finalement, vous m'interrogez sur les activités, mais vous venez toutes les lister quelque part, même si, bien évidemment, c'est pas exhaustif. Mais pour autant, voilà, ce sont les éléments qui permettent eh bien, à l'intéressé de retourner vers l'emploi. Et je le rappelle, c'est bien notre objectif de retourner vers la dignité que propose l'emploi, finalement, au-delà du fait de se voir cantonné aux minima sociaux ou à une assignation à résidence, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc, évidemment, je suis défavorable à la suppression du plan d'action. Par contre, concernant la durée hebdomadaire des 15 heures, une série d'amendements visant à assouplir l'application de la durée minimale vous sera proposée dans la discussion. Ils arrivent quelques amendements plus tard. Merci. Monsieur Véry. Oui, par rapport à cette obligation de donner 15 heures par semaine dans le cadre de ce contrat d'engagement réciproque, nous considérons, et on va dire les choses clairement, que c'est un moyen de lutter contre l'isolement, contre le renoncement, contre l'exclusion, que de demander à un homme ou une femme d'être là, dans un fait sociétal, dans un pot commun, pendant 15 heures chaque semaine. Ce n'est pas forcément le mettre dans une entreprise, ce n'est pas forcément le mettre dans une logique économique, c'est simplement l'inviter à être présent, parce que pour certains, effectivement, ça peut être le premier pas vers un retour à l'emploi, par des formations, par de l'insertion pro, par tout ce que l'on sait faire, mais pour d'autres, et comme l'a dit, comme ça a été dit au moment du débat au Sénat, ça peut être, et je reprends votre expression, prendre soin de soi, passer le permis de conduire, lui demander d'être présent avec une association. Je crois que c'est là notre différence fondamentale. Merci. Entre Merci. La dignité voulue et entre Merci, le choix de laisser les gens collègue, au bord de la route. Monsieur Monnet. Merci, Madame la Présidente. Moi, vous savez, je ne suis pas opposé de point de vue dogmatique à ce qu'est une activité. Le problème, c'est qu'il faut définir les choses. Qu'une activité soit au service de l'intégration et de la réinsertion, pourquoi pas ? Ça se fait dans le travail social, on fait des chantiers éducatifs. Mais c'est défini. C'est défini et borné avec des jeunes. Quand j'écoute de dire « il faut donner des heures », c'est-à-dire considérer l'activité comme une contrepartie à la prestation, ça me pose un problème. Parce que je pense qu'on fait de l'activité, on n'en fait pas un outil, on en fait une espèce de preuve de reconnaissance que l'on percevrait une indemnisation. C'est pour ça que si on ne définit pas les choses, on y mettra n'importe quoi dedans, et certainement pas des outils au service du retour à l'emploi. Merci. Non, ça ne dépendra pas que des gens. Merci, Monsieur Dessigny. Merci, Madame la Présidente. Il faut savoir exactement à quoi correspond l'activité et quel est son but. Si son but, c'est la réinsertion professionnel, comme ça a été fait dans le cadre du département de l'Aisne où je suis élu, et je salue à cet effet le travail mis en place par le département. Et effectivement, Madame Gruny a pu en parler puisqu'elle est également élue sur le département de l'Aisne. Ça a un sens. Ça a un sens quand les personnes qui sont le plus éloignées de l'emploi sont désociabilisées, elles ne peuvent pas être employables immédiatement. Avant de pouvoir postuler à un emploi, avant de pouvoir retourner sur le marché du travail, il y a tout un tas d'étapes à franchir, de resociabilisation, de prendre soin de soi. Oui, ça fait partie des choses qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce qu'on met dans cette activité? Effectivement, Mme Brosseau n'a pas complètement tort quand elle dit qu'il faut que ça soit plus précis. Mais faire partie d'une association, passer du temps, prendre du temps pour soi, ça fait partie effectivement des choses qu'il faut mettre en place merci. Pour pouvoir être Monsieur réinséré après Cloué, par le biais du travail. Monsieur Cloué. Merci Madame la Présidente. Je suis très reconnaissant à Monsieur le rapporteur pour sa réponse, parce que donc vous m'avez dit que ce n'était pas exhaustif, mais vous avez confirmé les activités que j'ai mentionnées comme étant imposables et opposables aux allocataires. Donc vous me confirmez que le bénévolat forcé, la formation par mise en situation de travail, le recrutement par simulation ou les stages, donc rien de tout cela ne vous a choqué ni vous a semblé hors de propos. Je pense que ça parle de soi. C'est-à-dire que tous les engagements sur le fait qu'il n'y aura pas de travail gratuit viennent de tomber par la reconnaissance que ces types d'activités correspondaient au portefeuille opposable de ce qu'on pouvait demander aux allocataires de faire. J'espère qu'il s'agit d'une erreur, parce que sinon, on n'a pas la même manière, évidemment, de lutter contre l'isolement.
puisque nous, il nous semble inacceptable qu'au nom de la lutte contre l'isolement, qu'on peut partager, hein, il faut inviter les gens, les aider à faire des activités, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Je pense que d'ailleurs, tout le monde est d'accord, quels que soient les bancs sur lesquels on siège. Mais vous n'aiderez jamais personne, vous n'aiderez jamais personne en leur faisant passer de 608 euros par mois à zéro. Personne ne pourra être aidé en étant privé de revenus. Ça n'existe pas. Et pourtant, ça va être une des conséquences de ce Merci. Qu'on fait ici. Monsieur Delaporte. Oui, alors, sans aller sur ce qui vient d'être évoqué par mes collègues, je vais juste poser une question, parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ici, on dit, bon, en gros, vous touchez le RSA et vous allez faire potentiellement 15 heures de formation par semaine. Pouvez-vous m'expliquer, monsieur le rapporteur, si les allocataires du RSA sont inscrits à Pôle emploi, s'ils ne perçoivent pas l'ARE, s'ils suivent une formation agréée par Pôle emploi, pourquoi ils se contenteraient de toucher le RSA et pas, finalement, la RFPE, c'est-à-dire la rémunération des formations de Pôle emploi? Parce que ça, je ne le vois pas, je ne le vois nulle part. On va dire, voilà, vous touchez le RSA et finalement, vous avez de la formation à faire, alors que si aujourd'hui, quelqu'un qui a le RSA et qui est à Pôle emploi et qui suit une formation, il touche une allocation qui compense sa formation. Et ça, je n'ai pas l'impression que ça a été dit jusque-là. Et donc, j'aimerais que vous m'expliquiez en quoi c'est complémentaire ou pas. Si c'est complémentaire, alors dans ce cas-là, quand on Merci. Touche la RFPE, on n'est plus Merci, soumis Monsieur au RSA. Le GAC. Bien, merci, Madame la Présidente. Bon, je pense qu'effectivement, il faut qu'on trouve la bonne rédaction sur... sur ces heures d'activité, que moi je préfère d'ailleurs appeler des heures d'accompagnement. Parce que, d'abord, moi je pense qu'il ne faut pas mettre 15 heures. D'ailleurs, ce n'était pas dans le projet de loi initial, vous le savez, ce sont les sénateurs qui ont introduit cette durée de 15 heures. Pourquoi il ne faut pas le mettre? Parce que si on met 15 heures, ça veut dire que ce sera opposable, puisque ce sera dans la loi. Donc qu'est-ce qui va se passer si on donne que 12 heures au lieu de 15? Qu'est-ce qui se passe si on accompagne pendant 18 heures au lieu de 15? Donc 15 heures, on ne peut pas le mettre dans la loi parce que c'est trop rigide et ce sera ensuite opposable. Et on ne peut pas le mettre dans la loi non plus parce que, encore une fois, 15 heures, ça ne veut rien dire, puisque les contrats d'engagement réciproque, ils sont personnalisés. Ça dépend de l'âge, de la formation initiale, la situation familiale. On l'a vu, si la personne est célibataire ou si elle est seule avec des enfants, ça dépend des freins à l'emploi, de la mobilité, du logement, etc. Donc 15 heures en tant que tel d'accompagnement, ça ne veut rien dire. Et puis certains, je le dis très clairement, des personnes, objectivement, n'auront pas la capacité d'aller directement sur 15 heures d'accompagnement. Merci. Parce qu'elles sont trop éloignées de l'emploi ou trop isolées. Merci. Monsieur Gernigon. Oui, il y a des choses qui sont quand même difficiles à entendre. Quand on entend que les personnes vont donner des heures, elles ne vont pas donner des heures. Elles vont bénéficier d'heures. Et c'est totalement différent. Mais oui, elles vont bénéficier d'heures parce qu'elles sont dans l'isolement. Elles sont dans l'isolement. Elles vont être prises en main. Elles vont être prises par la main pour les accompagner sur l'estime de soi, sur le fait de recréer du lien social. Et c'est complètement différent. Elles ne vont pas donner du temps, elles vont bénéficier de temps d'accompagnement. Et c'est important de l'interpréter comme ça et de le dire comme ça. Merci beaucoup, Madame Bergonz. Merci, Madame la Présidente. Alors, je voulais aller totalement dans le même sens que le député Le Gac et également Gernigon. Bon, il nous semble quand même, au groupe démocrate, je pense pouvoir parler en leur nom, qu'il est bien de parler d'une certaine... Tout en étant flexible, qu'il y ait quand même quelque part un engagement d'avoir un certain nombre d'heures d'activité. Mais il faut être flexible, d'abord parce qu'il faut être flexible et tenir compte de la situation de la personne. Pour certains, on peut comprendre que si il y a l'apprentissage de la langue, 15 heures d'apprentissage de la langue hebdomadaire, c'est tout à fait envisageable et c'est même plutôt positif parce que c'est un apprentissage intensif. Pour d'autres, évidemment, avec d'autres freins, ce sera que quelques heures. Donc l'idée d'avoir des heures d'activité nous semble bonne. L'idée de mettre 15 heures nous semble... en réalité, de toute façon, irréalisable sur l'ensemble des personnes à accompagner. Et puis, une autre chose, je voudrais quand même rappeler qu'il y a eu un rapport de préfiguration France Travail de Thibault Guilluy et qu'il y a la liste Merci des beaucoup. Activités possibles, pages 264 et 265. Merci. Merci. Bien, je vais mettre aux voix ces deux amendements identiques qui ont reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre. Ils sont rejetés. Je voudrais vous alerter, mes chers collègues, sur le rythme que nous avons pour passer les amendements. On a à peine examiné 15 amendements en près d'une heure. Il nous en reste plus de 850 jusqu'à demain soir minuit. Donc vraiment, il faut qu'on puisse accélérer le rythme. Et donc,
réduire le nombre de paroles aussi par groupe, parce que là, on est à une prise de parole par groupe sur chaque amendement, ce qui n'est pas du tout tenable jusqu'à demain soir. Donc, poursuivons encore un peu sur ce rythme, mais je vous fais confiance pour essayer de réduire le nombre de prises de parole par groupe, qu'on aille un peu plus vers un deux pour, un contre. Autrement, on ira vers un pour, un contre sur chaque amendement. Allez, discussion commune. Monsieur Clouet, le 557. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, cet amendement, il vise à prendre le contre-pied de ce qui est proposé ici. Non pas faire de la formation un objet de contrainte, c'est-à-dire un quota d'heures dont l'exercice conditionnerait le fait de pouvoir survivre, puisque je rappelle quand même qu'un point d'accord de toute cette commission a été de dire que le RSA ne permettait pas de vivre, mais de survivre. Et donc vous nous dites, si les gens ne font pas la formation, ils n'ont plus le droit de vivre. Je ne suis pas d'accord, en tirant les conséquences logiques de ce que vous dites, pour estimer que le refus de formation, l'inacceptation d'une formation, l'impossibilité d'aller en formation ou un accident de formation doivent conduire à la suspension du droit de vivre, même de survivre. Bon. Mais attendez, c'est vous qui avez dit que le RSA sert à survivre. Mais vous nous dites, en même temps, si les gens ne vont pas en formation, on leur retire. Donc, la conséquence logique est, si les gens ne vont pas en formation, on leur retire le droit de survivre. Point. Moi, je vous écoute avec attention, même si parfois, je n'en crois pas mes oreilles. Donc, on propose d'inverser la logique ici, en faisant en sorte que les bénéficiaires du RSA aient un droit à formation. C'est-à-dire que ça vienne abonder un droit qu'ils puissent utiliser pour, effectivement, avoir un objectif partagé ici, je pense, par tout le monde, l'accès à des qualifications et à des formations qualifiantes pour l'ensemble des personnes qui en sont bénéficiaires et dont on souhaite qu'ils puissent s'inscrire dans des parcours qui élèvent leurs compétences, leurs connaissances et leur savoir-faire. Merci, monsieur le rapporteur. Ah oui, excusez-moi, monsieur Juvin. Merci, madame la présidente. La discussion commune sur les deux amendements n'est pas très logique parce que nous disons probablement des choses très opposées, mais peu importe. Le modèle d'Emmaüs qui a permis de créer le RSA, c'est simple, c'est qu'une aide est toujours, vous m'entendez bien, toujours apportée en contrepartie d'une activité, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, mais il y a toujours une activité. La solidarité active, ça ne se limite pas à la redistribution. La solidarité active, c'est favoriser l'accès à l'emploi. Nous, ce que nous voulons, c'est simple, c'est que toute personne qui peut travailler puisse travailler et travaille. C'est pour ça que nous proposons, quand on touche le RSA, on ait une obligation de 15 heures d'activité avec les conditions qui sont fixées là. En fait, c'est un droit, c'est le RSA, un devoir, c'est participer à 15 heures d'activité. C'est comme ça que nous voyons les choses. Et je vais même vous dire, je vais aggraver mon cas, moi, je préférerais toujours celui qui cherche du travail ou celui qui travaille à l'assisté professionnel. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, pour répondre à l'amendement qui propose de transformer quelques heures en CPF, rappelez simplement que le statut de demandeur d'emploi de l'allocataire du RSA lui permet de bénéficier de financement de sa formation et donc pas nécessaire d'abonder son compte personnel de formation. Concernant l'amendement de monsieur Juvin, donc je serai également défavorable parce que je préfère l'écriture qu'on vous soumet quelques amendements plus tard, une petite dizaine d'amendements d'ailleurs, qui me semble plus adapté dans la prise en compte finalement de la situation particulière donc du demandeur d'emploi et donc des difficultés qu'il pourrait rencontrer. Donc on garde une cible identique, mais avec une mesure d'assouplissement par rapport à la situation particulière de l'intéressé au-delà du contrat d'engagement. Donc défavorable aux deux amendements. Merci, monsieur Delaporte. Oui, écoutez, monsieur Juvin, vous préférez peut-être ceux qui travaillent à ceux qui sont au RSA, c'est votre droit. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Les professionnels assistés, pardon. Vous préférez ceux qui recherchent une activité professionnelle aux assistés. Bon, donc du coup, aux assistés professionnels. Donc, par exemple, les allocataires du RSA qui ne sont pas en recherche d'emploi sont pour vous des assistés professionnels. S'il vous plaît, c'est monsieur Delaporte à la parole. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, il y a des allocataires du RSA qui ne peuvent pas chercher du travail. Et c'est bien. Et quand on est en situation d'invalidité, par exemple, on est en incapacité, on l'a évoqué hier, et d'ailleurs, votre groupe a voté un amendement en ce sens, on est en incapacité de rechercher du travail. Donc voilà, cette stigmatisation des allocataires, elle est insupportable. Et quand vous évoquez Emmaüs, je serais curieux de savoir si vous avez demandé à Emmaüs ce qu'il pensait de l'obligation des 15 à 20 heures. Parce que je trouve que c'est un peu curieux de convoquer Emmaüs Merci. Solidarité en soutien de cette mesure. Merci. Je mets aux voix ces deux amendements identiques ont reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur. Qui est pour ? Ah pardon, successivement. L'amendement de monsieur Clouet, qui est pour ?
Qui est contre ? Il est rejeté. Amendement 1200. Qui est pour ? Avis défavorable. Qui est contre ? Il est rejeté. Amendement 93, monsieur Delaporte. Bon, cet amendement, c'est un amendement de repli. Il vise à ne pas consigner dans le contrat d'engagement des objectifs d'insertion sociale ou professionnelle, mais bien des souhaits. C'est important, parce que finalement, ici, quand on dit des objectifs, et cet amendement a été construit avec des juristes en droit du travail, un objectif, finalement, c'est un langage un peu managérial, alors qu'ici, en fait, on doit se mettre à l'échelle de l'individu, et donc lui demander ses souhaits, ce qu'il veut faire. Parce que si vous me dites c'est quoi votre objectif dans la vie, bon, je sais pas, c'est une question qui est assez vaste. Qu'est-ce que vous aimeriez faire demain ? C'est pas exactement pareil. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, non, mais une sémantique importante qui permet de rappeler que les souhaits du demandeur d'emploi sont déjà intégrés dans le contrat d'engagement réciproque à travers les besoins personnalisés. Et ils se concrétisent par des objectifs d'insertion sociale ou professionnelle. Voilà, donc défavorable, chers collègues. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Amendement 694, monsieur Delaporte. Oui, il s'agit ici de supprimer finalement la fin de la première phrase de l'alinéa 2. Donc ça donnerait, ça virait, et le cas échéant, le niveau d'insertion et d'accompagnement requis, etc., d'au moins 15 heures. Finalement, ça conserve ce qui était dans la vision initiale du texte et ça permet d'exclure finalement ces 15 à 20 heures qui sont, rappelons-le, particulièrement inapplicables. On a publié une note avec quelques collègues à la Fondation Jean Jaurès où on vous dit, voilà, les 15 à 20 heures, ça représente un budget pharaonique qui n'est absolument pas envisageable, même avec le milliard d'euros qui est annoncé par le ministre, à horizon 2027, sachant que, je dis bien à horizon 2027, sachant que vous avez déjà à gérer la gestion de l'inscription automatique des allocataires du RSA. Donc même avec un milliard d'euros, ça ne suffira pas. Mais alors si en plus vous rajoutez de l'activité, cette activité ne va pas se faire en génération spontanée. Si on prend par exemple le modèle qui est le vôtre, qui est celui du contrat d'engagement jeune, eh bien ça, le contrat d'engagement jeune, c'est 600 millions d'euros. C'est 600 millions d'euros, je crois, j'ai dit ça de mémoire, hein, pour 300 000 bénéficiaires sur 6 mois. Alors dites-vous, si vous mettez 15 à 20 heures d'activité, comment budgétairement c'est soutenable ? Comment pratiquement c'est soutenable ? C'est pour moi ce qui rendrait la loi inapplicable. Donc voilà, déjà il y a cet argument purement pratique. Chers collègues de la majorité notamment, soyez responsables et réalistes et venez soutenir cet amendement qui rétablit par ailleurs le texte tel qu'il était initialement. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, non, mais je partage votre objectif d'assouplissement. C'est pour ça que je vous donne d'ailleurs rendez-vous à l'amendement 1483 et identique que nous discuterons tout à l'heure. En attendant, je vous demande retrait ou défavorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement. Monsieur Turquois. Oui. Pour le coup, l'argumentaire de notre collègue Delaporte moi, m'interpelle. Cette notion de 15 heures me pose clairement question. Ça peut être un objectif, ça peut être pour un certain nombre d'allocataires ou de personnes accompagnées, mais il y a des gens qui ont été sans accompagnement depuis 3, 4, 5 ans. On ne va pas les mettre de but en blanc à 15 heures d'activité, il faut renouer les fils. Ça va être un travail dans la durée, un travail progressif, et donc qu'on tente vers 15 heures au bout d'un certain délai qui est calé dans le contrat d'engagement, ça a du sens. Et là, la question de l'intensité, alors j'aurais coupé un peu plus loin que M. Delaporte, mais la question d'intensité a du sens, mais pas d'emblée 15 heures. C'est compliqué à mettre en place rapidement dans les organisations, et pour certains publics très éloignés de l'emploi, c'est totalement inadapté. Merci. M. Delaporte. Oui, j'entends, M. le rapporteur, que vous vouliez aller plus loin, mais ici, cet amendement, par ailleurs, travaillé avec l'UNSA, mais il permet juste de revenir à un texte qui est réaliste. Et on reparlera de votre amendement, hein, mais je pense que là, c'est une bonne version et on pourrait se contenter de l'adopter ici et on irait ainsi beaucoup plus vite par la suite. Merci, monsieur le rapporteur. On a fait la discussion. Je mets aux voix l'amendement qui a reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ?
Il est rejeté. Amendement 1017, Monsieur Saint-Huile. Merci, Madame la Présidente. Je pense que je vais être un peu seul sur cet amendement, mais on va assumer la solitude sans grande difficulté, parce que je veux revenir sur l'équilibre du texte qui semble faire défaut de part et d'autre, chacun défendant une position qui est un peu trop tranchée de notre point de vue. Nous, nous sommes d'accord pour un contrat. Nous sommes d'accord pour une réciprocité. Nous considérons que le contrat et la réussite de ce contrat est conditionnée par l'adhésion de la personne qui est en recherche d'activité. Là où nous divergeons avec force, c'est sur la question de l'incitation. Vous brandissez la logique de la sanction avec demain l'hypothèse de la suspension du versement. Nous, nous souhaitons une bonification. Et pour être très clair, 607 euros, tout le monde l'a dit, c'est survivre. Donc nous, nous souhaitons, au groupe Liotte, ne pas remettre en cause les 607 euros, considérant que c'est un socle acquis qui est un revenu d'assistance. Et nous souhaitons dire avec force que nous croyons à l'engagement réciproque et à la capacité de s'engager. C'est d'ailleurs la philosophie du CEJ, si je peux me permettre. En disant ça, nous disons une chose simple. Ceux qui s'engageraient volontairement dans un contrat d'engagement réciproque, alors ils pourraient ouvrir droit à un accompagnement plus renforcé, c'est la logique du texte, mais ça n'est pas écrit dans l'amendement pour des raisons évidentes de recevabilité, avec une possibilité d'avoir une bonification sur leur allocation. En faisant ça, vous mettez une carotte plutôt qu'un bâton, vous donnez la possibilité à ceux qui veulent s'engager dans la reprise d'activité de le faire avec force, vous ne fragilisez pas les gens qui sont à 607 euros, et on trouve une forme d'équilibre. Alors je sais que je serai seul sur ce sujet, mais j'ai le sentiment que ce genre de proposition pourrait avoir du sens parce qu'elle permettrait à la fois la solidarité nationale, qui est un droit pour ceux qui sont en grande difficulté, et en même temps de donner l'envie à certains de reprendre une activité et de s'engager dans une forme de réciprocité. Oui, il y a des conditions. La condition, si elle n'est pas retenue, ça n'est pas la sanction, c'est plutôt pour ceux qui sont bons élèves une allocation complémentaire. Merci, Monsieur le rapporteur. Oui, alors je comprends votre attention, effectivement, qui n'aurait pas franchi le cut de l'article 45. Donc je me dois de commenter simplement votre amendement en lui-même, évidemment, que, sur lequel je ne peux exprimer qu'un avis défavorable, puisque, encore une fois, le contrat d'engagement relève de la réciprocité, donc il engage les deux et pas simplement donc, l'un des deux signataires. Donc j'ai un avis défavorable sur l'amendement en question. Merci, Monsieur Delaporte. Ben oui, moi je trouve que Monsieur Saint-Huile n'est pas seul. Hein. Dans l'ensemble, on est prêt à venir en appui, puisque finalement, là, au contraire, cher rapporteur, on revient sur la dimension réciproque. Le demandeur sollicite, il s'engage dans un parcours, et l'État, de façon réciproque, l'accompagne dans son objectif d'insertion. Merci, Monsieur Clouet. Merci, Madame la Présidente. Effectivement, et de moins en moins seul, d'ailleurs, Monsieur Saint-Huile, dans la défense de cet amendement, et je trouve que la comparaison qui est faite dans l'exposé des motifs avec le contrat d'engagement jeune, c'est une comparaison qui est instructive et qui est utile. C'est le contrat d'engagement jeune, donc on le sait ici, il a aussi une obligation d'activité de 15 à 20 heures, mais on a deux constats. Le premier, c'est qu'il y a un taux d'échec énorme de gens qui ne parviennent pas à l'activité prévue, c'est plus d'un tiers qui n'atteignent pas la barre minimum des 15 heures dans le contrat d'engagement jeune. Donc même dans un contrat qui est déjà mis en route, qui a une existence avec un peu d'antériorité et d'expérience, on ne parvient pas à imposer l'activité obligatoire. Donc il y a déjà un échec dans une politique qui est censée rejoindre la vôtre. Et d'autant plus, enfin cet échec est d'autant plus prévisible et va être reconduit ici, que le contrat d'engagement jeune, c'est un conseiller pour 30 usagères ou usagers. Donc là, comment imaginer que quelque chose qui ne marche pas avec un conseiller pour 30 marchera avec un conseiller pour 200 ou pour plus? Et dès lors, en posant de côté le débat philosophique. Merci. Il y en a qui sont pour, d'autres qui sont contre. Je pense que ce n'est Merci. Pas opérationnel. Madame Le Nabour. Merci, Madame la Présidente. Alors, je suis complètement d'accord avec l'exposé des motifs, puisqu'effectivement, le contrat d'engagement jeune a été évalué par l'IGAS. Mais ce que vous oubliez de dire quand même, c'est que cette mise en activité, alors c'est un objectif, la mise en activité. Alors, effectivement, ça, les 15 heures, c'est un objectif. On s'aperçoit effectivement que 40% seulement arrivent aux 15 heures parce que il y a des situations qui ne permettent pas effectivement d'arriver aux 15 heures. Et en tous les cas, quelquefois, il faut une progressivité. Mais ce que vous oubliez de dire quand même, c'est que 89% des jeunes plébiscitent la mise en activité et les conseillers aussi. Donc il faut quand même avoir à l'idée que la mise en activité est plébiscitée, que les activités sont diverses, elles peuvent être aussi de nature culturelle, sportive, des ateliers de reprise de confiance en soi, etc. Mais que
il faut tenir compte de la situation particulière de certaines personnes, et je pense que le rapporteur nous en dira plus tout à l'heure lors d'un amendement. Merci, Monsieur Monnet. Merci, Madame la Présidente. Non, notre collègue Saint-Tulle est plus seul du tout. D'ailleurs, je trouve même que par rapport à ce que notre collègue vient de dire et par rapport à ce que notre collègue Le Gac a dit tout à l'heure, ça fait la synthèse. Alors, pour nous, ça sera un amendement de repli si on l'avait déposé. Mais il définit la question de l'activité. En tout cas, il définit le besoin d'accompagnement dans une démarche volontaire. C'est exactement ce que vous venez de dire tous les deux. Et donc, ça évite de figer les choses sur cette notion d'activité qui n'est absolument pas définie. Et on voit bien que quand c'est pas défini, il y a problème, puisqu'on n'a pas tous la même interprétation. Moi, je trouve que cet amendement permettrait de régler cette question et vous enlèverez une sacrée épine du pied, parce que je rejoins l'idée que 15 heures d'activité, quand on ne sait pas ce que c'est et qu'il faut le mettre en place pour tout le monde, c'est quand même très compliqué. Donc moi, je trouve que cet amendement nous ferait, en plus de gagner du temps, permettrait de clarifier un certain nombre de choses sur cette notion d'activité. Merci, Monsieur Taché de la Pagerie. Oui, l'amendement de notre collègue Saint-Huil va dans le bon sens, celui du volontarisme et de la volonté de s'inclure dans un schéma collectif. Je ne vois pas en quoi il viendrait contraindre l'objectif du gouvernement de travailler dans un contrat d'objectif. Encore une fois, il me semble, pardonnez-moi, chers collègues, je suis en train de parler. Donc c'est un peu gênant, cette pollution sonore continue de monsieur... Allez-y, monsieur Taché de la Pagerie. Merci. Donc nous accompagnons naturellement, et c'est très pénible, cette pollution perpétuelle de la gauche et de l'extrême-gauche. L'amendement de monsieur Saint-Huil qui va dans le bon sens, qui responsabilise, qui autonomise et qui permet aux chômeurs de pouvoir s'inscrire dans un schéma d'objectif. Merci. Merci. Je mets aux voix cet amendement à monsieur Saint-Huil. Oui, merci madame la présidente. Rapidement, monsieur le rapporteur, vous dites qu'il n'y a pas de réciprocité, mais pourtant c'est ce qu'on cherche depuis le départ. Nous, ce que nous disons, c'est que la réciprocité, c'est l'institution qui s'engage à un accompagnement renforcé et de l'autre, un allocataire qui est présent et qui, s'il est présent, qu'il remplisse l'engagement, a une bonification sur son RSA. En clair, on dit, je n'ai pas donné de chiffre exprès pour des raisons naturelles de recevabilité, mais si l'allocataire, il respecte l'engagement qu'il a choisi de prendre avec son référent, il peut avoir peut-être 150 euros de plus par mois. Vous ne croyez pas que ça sera un effet immédiat de mobilisation et qui permettrait de distinguer ceux qui sont effectivement en recherche d'emploi, puisque c'est ce que vous voulez. Moi, je suis content que les collègues de la NUPES aient réagi. J'aurais voulu que, au-delà du Rassemblement national, que la droite réagisse. On me parle du mérite et du travail tous les jours. Et la majorité me parle de ça. Et vous avez là une synthèse de ce qu'on peut faire ensemble pour remettre au travail et en activité les gens qui sont allocataires, qui se sont parfois reposés, et en même temps créer les conditions d'un engagement bien réciproque. Merci, c'est ce que beaucoup vous voulez. Je mets maintenant en voie l'amendement qui a reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Amendement 205 de monsieur Delaporte. Bon, cet amendement, c'est un amendement de repli qui vise à préciser que les 15 heures d'activité ne s'appliqueront pas aux allocataires du RSA qui vivent des difficultés personnelles, sociales et professionnelles. Bon, c'est assez clair. Par contre, je souhaiterais revenir, parce que, monsieur le rapporteur, j'ai posé une question tout à l'heure, et vous ne m'avez pas répondu. Comment les 15 à 20 heures d'activité des allocataires du RSA sont-elles compatibles avec la rémunération des formations de Pôle emploi, la RFPE ? Parce que si on suit une formation, alors on ne touche plus le RSA. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, alors je partage votre objectif d'assouplir, comme je l'ai dit tout à l'heure, et donc je vous renvoie à l'amendement que je proposerai. Je proposerai donc le 1483. Pour le reste, on n'écrase pas le droit existant par rapport à ce que vous évoquez. Merci. Je mets au voie cet amendement qui a reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. En discussion commune, l'amendement 477 de madame Garin. Ce sera Monsieur Pétavi. Monsieur Pétavi. Merci, Madame la Présidente. Par cet amendement, les députés écologistes
souhaite supprimer dans le contrat d'engagement du demandeur d'emploi la mention d'un plan d'action et d'obligation d'une durée hebdomadaire de 15 heures d'activité. D'une part, conditionner l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des bénéficiaires du RSA à des heures d'activité détruit la logique du RSA et offre aux entreprises une main-d'œuvre à bas prix. Et d'autre part, pour les écologistes, il est aujourd'hui impossible de continuer à soutenir des réformes dont le seul objet politique et économique est de faire du vivant un outil au service de la croissance et du PIB. Il devient au contraire urgent d'interroger notre modèle économique et social fondé sur le travail en réinterrogeant la place qu'il occupe dans l'existence. Merci. En discussion, toujours dans la discussion commune, plusieurs amendements identiques. Le 97 de Monsieur Delaporte. Oui, merci Madame la Présidente. Ici, il s'agit finalement de supprimer la fin de la première phrase de l'alinéa 9, donc c'est encore un amendement de repli un amendement de repli qui vise à supprimer l'obligation pour les demandeurs d'emploi de réaliser au moins 15 heures d'activité par semaine, qui a été introduite dans le contrat d'engagement. Et donc, on pourrait revenir sur les différentes critiques, mais je pense qu'on en a déjà évoqué un certain nombre. Mais je vais revenir sur ma question, parce que je ne lâche pas. Monsieur le rapporteur, quand on va suivre une formation, on va être rémunéré ou pas quand on sera au RSA ? La réponse est non. Ou alors, si on est rémunéré quand on s'engage dans une formation, on n'est plus au RSA. On rentre dans le régime de la rémunération des formations de Pôle emploi. Et donc, du coup, on sort du régime du RSA. Donc voilà, l'activité, finalement, elle peut être entendable pour les jeunes qui peuvent avoir l'équivalent d'une allocation parce qu'ils ne peuvent pas avoir le droit au RSA. Mais quand on rentre dans une formation, alors on est rémunéré en tant que tel dans un régime distinct qui... fait que quand on a plus de 25 ans, on touche 512,40 € par mois. Merci, Madame Panossian. Je vais retirer cet amendement parce que dans son appellation initiale, ce que je lui reprochais, c'était finalement une adaptation uniforme, quelle que soit la situation du demandeur d'emploi, des obstacles qu'il rencontre. L'amendement qui va être proposé par le rapporteur ainsi que ma collègue Madame Perrault répond à cette nécessaire adaptation. Donc je retire cet amendement. Merci. Monsieur Daréville, le 855. Merci Madame la Présidente. Je voudrais quand même dire que j'ai constaté que depuis que ce projet avait été lancé, il y a eu quelques évolutions. C'est-à-dire qu'au départ, quand il a été imaginé, c'était effectivement l'idée de... obliger une sorte de contrepartie chez les bénéficiaires du RSA et un certain nombre de privés d'emploi. Et effectivement, il y a une évolution, et donc on est passé de cette logique-là à une logique d'activité. Et moi, je pense qu'il faudrait aller au bout de cette démarche et vous convertir définitivement et complètement à la logique de l'accompagnement. Alors là, ici, nous mettons en cause effectivement ces 15 heures qui ont été introduites par le Sénat. Au début, ils n'ont rien inventé, hein, les sénateurs. Hein. C'était dans les textes, hein, c'était 15 à 20 heures, etc. Ils ont mis dans la loi ce qu'ils ont vu écrit par ailleurs. Pourquoi 15 à 20 heures? On peut se demander pourquoi 15 à 20 heures. Est-ce que c'est parce que c'est la moitié d'un temps plein pour avoir à peu près la moitié d'un SMIC? Est-ce que c'était ça l'idée? Je pense qu'un peu c'était ça l'idée quand même. Voyez. Donc on était dans cette démarche-là au départ. Et là, un peu dans les mots, on n'assume pas trop, etc. On a vu que ça ne marcherait pas, y compris les entreprises. Elles ne sont pas forcément prêtes à accueillir des gens comme ça. Et voilà, ils souhaitent avoir du personnel formé, etc. On connaît les demandes qui sont celles des employeurs. Et d'ailleurs, c'est mieux d'être dans un emploi, d'y être formé, je crois, aussi. Et donc, voilà. Donc, nous contestons effectivement cette logique-là. Et donc nous proposons ici de supprimer ces 15 heures-là, telles qu'elles sont indiquées. Nous pensons qu'il faut un vrai accompagnement. Ça va demander beaucoup d'efforts d'une diversité de propositions, de formations, de nature de formation, etc. Avec beaucoup de professionnels qui vont devoir s'engager là-dedans, qu'il va falloir eux aussi former. Pour l'instant, à mon avis, on en est très très loin. Merci. Et nous pensons, nous, qu'il faut organiser ça au sein du service public de l'emploi. Monsieur Saint-Pierre. Et avec l'AFPA. Merci Madame la Présidente.
Nous aussi, on souhaite retirer cette logique des 15 heures, ou 20 heures d'ailleurs, parce que ça bouge en fonction, parce que c'est tout simplement irréaliste. Irréaliste et irréalisable. Si vous discutez avec les gens qui sont dans le suivi des allocataires, ils vous le diront. Si vous discutez avec ceux qui ont suivi les jeunes dans le cadre du CEJ, ils vous diront les difficultés nombreuses qu'ont été les leurs à proposer des heures d'activité. Et donc ce carcan intellectuel, idéologique, dogmatique des 15-20 heures, il ne repose sur aucune réalité sérieuse du monde du travail. Et donc nous considérons qu'il peut y avoir contrat, il peut y avoir réciprocité, il peut y avoir logique d'activité, mais en aucun cas il faut le corseter dans une logique de volume horaire à 15-20 heures qui ne correspond à aucune réalité. Merci Monsieur Dessigny. Merci Madame la Présidente. Dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, effectivement, les personnes qui sont demandeurs d'emploi, qui sont au RSA, ont besoin d'être accompagnées. Un accompagnement qui n'est pas forcément une formation professionnelle en amont. Mais avant de pouvoir être employable, il y a tout un schéma à suivre pour resociabiliser les gens et pour qu'ils puissent être employables par la suite. Donc, moi, ce qui me gêne dans cet alinéa, pourquoi cantonner à 15 heures? Parce qu'au départ, quand une personne est vraiment très éloignée de l'emploi, 15 heures, ça peut paraître énorme. Mais dans son cursus, à un moment, peut-être que 15 heures, ça va être trop peu par rapport à des besoins qu'elle peut avoir. Donc je pense que c'est au cas par cas qu'il faut cadrer ces besoins de formation et d'accompagnement, et pas simplement avec 15 heures qui sortent on ne sait pas d'où, à mi-temps peut-être, 2 jours par semaine, 3 heures par jour, on ne sait pas trop bien à quoi ça correspond. Je vous remercie. Merci, Monsieur Cato. Merci, Madame la Présidente. Même si cet amendement a été défendu à plusieurs reprises, je vais quand même le répéter parce que je me dis qu'à force de répéter, ça finira peut-être par rentrer. Alors, cet amendement vise à supprimer la conditionnalité du RSA à une durée minimale d'activité pour plusieurs raisons. Vous avez demandé à des personnes qui ont travaillé durant plusieurs années, voire des dizaines d'années, 5, 10, 15 ans, à faire des activités, parce qu'effectivement, le mot activité reste assez flou aujourd'hui, pour obtenir ce pour quoi ils ont cotisé. Vous allez également augmenter de façon exponentielle le portefeuille des conseillers Pôle emploi qui vont du coup probablement changer de nom, mais vous allez l'augmenter de façon exponentielle. Pour ces raisons, évidemment, nous souhaitons supprimer la fin de cet alinéa qui n'a aucune raison d'exister dans ce texte de loi. Merci. Merci Madame Simonet. Écoutez, mes chers collègues, on n'est pas d'accord sur le contrat d'engagement. Mais je pense qu'on peut quand même être d'accord que le Sénat, en imposant ses 15 heures, est allé très loin. 15 heures, c'est un problème, à plus d'un titre. D'abord, on a quand même des références en droit, et la Convention 29 de l'Organisation internationale du travail dit que le travail forcé est défini comme tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel le dit individu ne s'est pas offert de son plein gré. On ne peut pas imposer 15 heures de travail, vous êtes d'accord? Bien. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'activité lors des expérimentations? Je vous prends l'exemple de la Creuse, sur 83 locataires du RSA. Je vous l'ai donné ce matin, mais vous allez y réfléchir. Eh bien, ils n'ont trouvé 15 heures d'activité que pour un seul allocataire du RSA. Un seul sur les 80. Et c'était 15 heures d'activité à la banque alimentaire. Je pense que imposer un RSA 15 heures à la banque alimentaire, je ne suis pas sûre qu'on contribue fortement à son insertion. Par ailleurs, je vous le dis, vous avez refusé tout à l'heure que notre amendement qui disait qu'il faut avoir une obligation de résultat de la part de l'État et faire en sorte qu'il y ait des objectifs minimums de temps de formation assurés par France Travail. Et vous avez dit, mais on ne peut pas garantir parce que tous les allocataires et tous les demandeurs d'emploi sont finalement avec des besoins différents, donc on ne peut pas inscrire dans le marbre tant d'heures. Eh bien, moi, je vous dis, tous les allocataires du RSA et les demandeurs d'emploi, pourquoi faudrait-il graver dans le marbre ces 15 heures? Et par ailleurs, l'argument le plus important, c'est, on vous le redit, l'allocation du RSA, qui devrait être revalorisée ne pas être en dessous du seuil de pauvreté, c'est un droit. Et à travers ce droit, aucune contrepartie ne doit être exigée. Merci. La formation, c'est un droit, elle ne doit pas être conditionnée. Merci. Madame Garin.
Madame Garin. C'est même défense, désolée. Merci. Madame Boyer. N'est pas défendu. Monsieur Falorni. N'est pas défendu. Monsieur le rapporteur. Oui, une petite réponse, Madame Simonet, parce que j'ai peut-être du mal à m'exprimer tout à l'heure. Si on a refusé votre amendement, c'est dommage de ne pas écouter, mais je vais quand même le dire. Votre amendement qui engageait la responsabilité de l'État, je pense que l'État n'est pas co-signataire du contrat d'engagement. Donc à ce titre-là, il ne peut pas être en responsabilité par rapport à l'exécution ou la non-exécution du contrat d'engagement. Non, mais je précise ma réponse, si vous voulez bien. Voilà, vous le méritiez. Voilà, donc simplement pour vous dire que je propose de repousser ces amendements au profit donc du suivant, qui vient effectivement poser des questions, comme l'a rappelé Mme Pagnozan, poser des précisions, je pense, utiles et indispensables par rapport donc à la formulation initiale. Merci. Monsieur Viry. Oui, monsieur le rapporteur, nous allons avoir dans un instant votre proposition de conciliation, puisque vous allez nous faire part d'un amendement qui, selon vous, doit peut-être concilier des parties opposées. Moi, je voudrais simplement faire trois observations par rapport aux amendements qui viennent d'être défendus. La première observation, c'est que dans RSA, il y a bien le A. Et à force de nier qu'on doive demander une réciprocité, on remet totalement en cause ce qu'est le RSA. Donc il faut forcément, ou alors on le supprime, ou alors on passe à autre chose. Mais si effectivement on veut maintenir le RSA en le refondant, il faut naturellement qu'on demande quelque chose en termes de réciprocité. La deuxième chose que je voulais évoquer, et j'en finirai par là, notamment je le dis à mes collègues de la majorité, le président Macron, dans sa candidature pour 2022, il avait dans son programme la refonte du RSA avec 15 à 20 heures, de mémoire, 20 heures de temps par rapport aux bénéficiaires. Donc il ne faut pas être pusillanime. Merci. Soit il faut voir où vous voulez aller. Merci, monsieur Daréville. Oui, merci, madame la présidente. Non, effectivement, c'est un peu ce que je disais d'ailleurs il y a quelques instants. Il y a eu quelques bougées qui sont pas forcément négatifs. Ils vont pas du tout assez loin. Et donc nous proposons effectivement de supprimer, y compris d'ailleurs cette référence aux casamateurs. Parce que, monsieur le rapporteur, ce que vous ne nous dites pas tout à fait, c'est, moi, quand je lis l'amendement que vous avez déposé à la suite, qui dit « si cela s'avère adapté à la situation particulière, etc. ». Donc vous laissez les 15 à 20 heures et vous faites une sorte de petite condition. Alors soit c'est un petit arrangement entre amis auquel on n'a pas été convié, ce qui c'est quand même relativement possible. Je ne sais pas si ça satisfera les députés des Républicains. Mais en tout cas, ça ne supprime pas ce qui est inscrit. Ça a été inscrit par le Sénat, et cette référence à cette, cette référence des 15 heures. Ça ne supprime pas cette référence des 15 heures. Or, elle est inadaptée. Elle est inadaptée pour différentes raisons, y compris parce que, d'abord, on va avoir, les opérateurs vont avoir en face d'eux, les agents vont avoir en face d'eux des personnes singulières, merci, face auxquelles il faut faire des propositions singulières. Monsieur Delaporte. Oui, merci. Finalement, monsieur Viry a un mérite, c'est de pointer une forme d'incohérence dans le discours présidentiel et dans la réalité. Alors, je comprends que l'amendement qui arrive cherche à aménager la chèvre et le chou en gardant virtuellement l'idée des 15 à 20 heures pour ne pas trop heurter les uns et les autres. Mais finalement, la réalité, c'est que, et vous l'avez reconnu, ce n'est pas possible. Et ce n'est non seulement pas possible pour des raisons pratiques, mais aussi parce que le seul dispositif qui expérimente cela, c'est, on l'a dit, le COJ, et que mon collègue Clouet évoquait le rapport de l'IGAS, hein, plus d'un tiers des bénéficiaires ne satisfont pas à l'obligation hebdomadaire d'activité. Si on examine les résultats, 20% des bénéficiaires d'une semaine donnée font moins de 5 heures d'activité d'accompagnement. Donc ça, c'est la réalité déjà de ce que vous avez rendu obligatoire. Donc vous voyez bien que c'est impossible. C'est non seulement impossible, mais par ailleurs, ce n'est pas souhaitable. Et c'est là où on a une différence, monsieur Viry. C'est que vous vous dites, il faut une contrepartie. Mais la contrepartie, elle existe déjà. On peut déjà être radié du RSA, à ma connaissance, si on ne respecte pas un certain nombre d'engagements, si on n'a pas été à un rendez-vous, si on n'a pas fait preuve, entre guillemets, de sa bonne volonté. Donc vous voyez bien qu'ici, on veut rajouter une contrepartie supplémentaire et pas créer une contrepartie sur cette espèce de réciprocité qui est déjà, de toute façon, extrêmement déséquilibrée et contre laquelle nous nous battons par ailleurs. Merci, monsieur Clouet.
Merci Madame la Présidente. Je trouve également l'intervention de notre collègue Viry très intéressante parce qu'elle remet un petit peu d'ordre, je trouve, dans le débat. D'abord, notre collègue nous dit ça s'appelle solidarité active et c'est parce que c'est actif qu'il y a de la solidarité. Ben moi, je pense l'inverse. Je pense que c'est parce qu'il y a la solidarité que du coup, on peut être actif. Et c'est là-dessus qu'on a un débat qui est intéressant. C'est là-dessus qu'on a un débat intéressant, c'est lequel des deux termes est tributaire de l'autre. Et pour nous, c'est parce qu'il y a un apport de solidarité qu'on peut acheter le ticket de bus pour aller un rendez-vous de l'emploi, chercher du boulot. C'est parce qu'on a les 600 euros qu'on peut faire une activité avec ses gamins et que du coup, on est actif. Donc nous, c'est dans cette perspective-là qu'on le comprend. Après, vous dites, Macron voulait les 15-20 heures. Bon, bah, écoutez, monsieur Emmanuel Macron, monarque républicain, pardon. Non, mais c'est pour faire plaisir à tout le monde. Vous dites il voulait faire les 15-20 heures. Voilà. Pas de surprise, je ne suis pas macroniste. Donc c'est vrai que cet argument, voilà, je sais que vous tombez des nues, mais cet argument me parle assez peu. Mais derrière, ça nous conduit, à partir de votre analyse, si à l'amendement qui vient, qui est un calibrage standard d'heures sur des situations... Madame Le Labour. Merci, Madame la Présidente. Pour répondre à Monsieur Viry, oui, c'était une promesse présidentielle, mais il y a un principe de réalité qui est venu... depuis, non mais c'est qu'en expérimentant, est-ce que je peux, en expérimentant le contrat d'engagement jeune, on s'est aperçu qu'effectivement c'était compliqué. Par contre, là où je vous rejoins, laissez-moi parler. Là où je vous rejoins, c'est que encore une fois, je disais tout à l'heure, 89% des jeunes plébiscitent cette mise en activité. Donc c'est plutôt une bonne chose. 132 000 jeunes sur les 330 000 en contrat d'engagement jeune arrivent quand même aux 15 heures. C'est 40%, donc ça n'est pas complètement impossible. Après, le défi que nous avons, c'est justement de lever les freins à la mise en activité 15 heures. Et pour ça, eh bien, il faut embarquer tout l'écosystème sur les territoires, y compris les collectivités locales, pour être innovant. Alors je regrette que dans la Creuse, il n'ait pas eu beaucoup d'innovation. C'est un regret, il y a certainement des raisons. Mais en tous les cas, il y a plein de territoires aujourd'hui qui innovent en matière de mobilité, en matière d'activité, enfin, en matière d'accompagnement, en matière de repérage, merci, etc. Donc je crois que ce n'est pas complètement impossible, mais il faut faire attention. Merci beaucoup. Je vais donc mettre en voie ces amendements qui ont reçu... Ah, excusez-moi, monsieur Troy. Oui, merci Madame la Présidente. C'est pour parodier un petit peu mon président de groupe, nous on voudrait que le RSA, ça ne soit pas un revenu de solidarité active, mais une recherche de sérénité active et qui passerait par un accompagnement. C'est le A d'accompagnement. Et comme ça a été très bien dit par notre collègue Dessigny tout à l'heure, pour certains, ça peut être que progressif. Il y a des gens qui sont trop éloignés de l'emploi. On a loupé l'accompagnement de personnes du RSA depuis des années. Donc, il faut le faire de façon progressive. Et je vous avoue que sur la série d'amendements qui ont eu des argumentaires très différents, moi, je ne vais pas voter parce que ça me questionne, cette question des 15 heures. Je trouve qu'il faudrait l'enrichir d'une notion de progressivité pour tenir compte des situations diverses des uns et des autres. Merci. Bien. Je vais donc mettre aux voix ces amendements, en commençant par l'amendement de Madame Garin, qui a reçu un avis défavorable de Monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Les amendements identiques ont reçu un avis défavorable de Monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre. Ils sont rejetés. Trois amendements identiques. L'amendement de Monsieur Christophe. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, un amendement important qui nous permet, je pense, de rétablir cette notion d'équilibre et de même de progressivité, cher Nicolas, puisqu'il s'agirait d'ajouter, donc après le mot correspond, si cela s'avère adapté à cette situation particulière du demandeur d'emploi, donc on est bien sur la particularité, et aux difficultés qu'il rencontre. Donc c'est bien une façon d'adapter, voire même d'introduire, Nicolas, une certaine progressivité finalement dans la notion. Donc, pour moi, il vise à répondre à l'équilibre que nous recherchons dans ce texte, donc en prenant en considération la réalité des situations vécues par le demandeur d'emploi. Merci. Avec un sous-amendement de monsieur... tous les amendements identiques et ensuite le sous-amendement de monsieur Delaporte. Donc, madame Perron. Après les identiques. Madame Perron. —
Oui, c'est le même amendement que monsieur le rapporteur. Donc, le présent amendement a ainsi pour objet de préciser les dispositions introduisant la durée minimale de 15 heures d'activité adoptée au Sénat afin de permettre la prise en compte de la réalité des besoins et de la situation particulière des personnes pour l'ensemble desquelles un tel accompagnement ne sera pas nécessairement adapté. Merci. Merci, monsieur Gernigon. Oui, il s'agit bien d'adapter l'accompagnement des personnes par rapport à leur situation. Il s'agit en aucun cas d'imposer un rythme, mais au contraire, que l'accompagnement soit adapté au rythme de la personne et de proposer donc un accompagnement progressif. Merci. Le sous-amendement de monsieur Delaporte. Oui, merci. Alors, je ne vois pas indiquer dans l'amendement la progressivité évoquée. Alors, il y a deux options, hein, parce que finalement, c'est un peu spécieux, cette rédaction. Enfin, il faut le reconnaître. Si c'était nous qui avions rédigé ça, on se ferait taper sur les doigts en disant « Mais attendez, regardez, c'est pas possible. » Et puis, par ailleurs, évidemment qu'on va l'appliquer de manière adaptée, que le conseiller référent le fera à la bonne franquette. Enfin, voyez, autour d'une table, on se mettra d'accord. Non. Non, là, ça ne va pas. C'est clairement pas sérieux. C'est pour ça qu'on vous propose finalement un premier sous-amendement qui vise, après les mots d'emploi, à insérer de son foyer. Oui, parce que n'oublions pas qu'il s'agit de considérer la question du foyer et pas uniquement de l'individu. Jusqu'à preuve du contraire, et à ce stade, le RSA est une allocation familialisée, conjugalisée. Et donc, on ne peut pas se contenter de prendre en compte les difficultés de la personne, mais il faut prendre en compte le conjoint et la question de la situation familiale et des enfants, si on veut le mettre en situation d'activité. Voilà. Donc là, on essaie de préciser un petit peu et d'aller finalement dans le sens de la défense des intérêts des personnes. Deuxième élément, évidemment essentiel, pour le rendre opérationnel, votre amendement, et encore, je ne suis pas certain qu'il le soit, peut-être faudrait-il compléter par des sous-amendements complémentaires, mais malheureusement, on n'a pas pu l'examiner autant, donc on fera ça en séance, peut-être, s'il est adopté, parce que ce n'était pas certain. S'il est adopté... Bref, tout ça pour vous dire qu'on rajoute ici, avec ce second sous-amendement, un sous-amendement de repli, qui dit que ça ne s'applique que si l'organisme référent est en capacité de les assurer. Parce que, monsieur Christophe, vous ne vous intéressez qu'à la situation du demandeur. Mais mettons que je sois le conseiller référent et que j'attribue bien, des heures. Merci, monsieur Delaporte. Ah non, attendez, j'avais 2 fois 4 minutes. Non, sûrement pas. Si, si, j'ai fait que 2 minutes pour deux. Non, vraiment, concluez, s'il vous plaît. Je vais en déposer 10 la prochaine fois. Non, mais attendez. Concluez, s'il vous plaît. J'ai pas fini. J'étais en train de dire qu'il y avait la question des besoins. Bah oui. Bien. Monsieur le rapporteur, votre avis sur ces deux sous-amendements ? Non mais cher collègue, votre premier sous-amendement, effectivement, pour moi, renvoie à la notion des freins périphériques qui sont identifiés dans le cadre du contrat d'engagement. Voilà, donc je considère qu'il est satisfait, il vient plutôt alourdir un peu plus la phrase. Et quant au deuxième, il renvoie quand même à la notion d'engagement réciproque qui vous est cher, qui nous est cher. C'est vous qui l'avez introduit, donc fatalement... Je ne vois pas le besoin de préciser à nouveau quelque chose qu'on aura identifié au titre du contrat d'engagement réciproque. Voilà, donc peut-être que voilà, vous aurez une autre écriture à nous proposer pour la séance. Je ne doute pas que vous y arriverez. En tout cas, vous nous le proposerez. En l'état des choses, je propose un avis défavorable sur vos deux sous-amendements et évidemment un avis favorable sur les 3 amendements présentés. Merci, monsieur Monnet. Prends le micro. Ah, c'est bon, merci madame la présidente. Non, mais là franchement, on est au bout de l'exercice de contentionnisme. C'est-à-dire qu'on dit il faut 15 heures, hein, c'est obligatoire. Mais peut-être que ça ne sera pas obligatoire. Non, mais enfin, attendez, il faut être sérieux. Enfin, attendez, enfin, vous, quand voulez-vous que les gens comprennent la loi aujourd'hui ? Moi, je veux dire, c'est clair maintenant. Moi, j'ai compris.
je suis peut-être un peu naïf, mais vous avez dealé, vous mettez les 15 heures parce que la droite vous l'a demandé, assumez le fait que ce n'est pas un outil d'accompagnement, c'est juste parce que comme on donne du fric aux gens qui ont le RSA, il faut bien qu'ils rendent un peu d'activité, parce que c'est le discours de M. Viry. Je caricature, enfin je vais vite, non mais j'ai qu'une minute, M. Viry, je m'excuse, mais c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, donc ce n'est pas pour l'accompagnement. C'est parce qu'il faut bien que les gens qui perçoivent le RSA rendent de l'activité. Voilà, donc c'est que ça l'argumentation. Donc ça, ça vous gêne dans la majorité, ben, assumez-le. C'est le deal qui est passé avec la droite pour avoir une majorité sur le texte. Mais là, de faire du contorsionnisme comme on fait, mais ben, c'en est ridicule, franchement. Est-ce que vous avez relu tout ce que vous mettez ? Monsieur Juvin. Attendez. J'ai envie d'applaudir à ce qu'a dit Monsieur Delaporte, en réalité. Oui, Monsieur Delaporte. Monsieur le rapporteur, nous sommes très attachés aux 15 heures, au texte du Sénat. Nous comprenons qu'il puisse être nécessaire de trouver des arrangements et des adaptations à certaines situations. C'est pour ça, d'ailleurs, nous avons des amendements qui arrivent bientôt. Là. Mais celui que vous proposez, en pratique, il vide de sa substance, puisque la lecture de votre amendement conduit à zéro. Ça peut être zéro. Et en fait, rien ne va changer. Et donc, vous retirez avec votre amendement un des points fondamentaux du texte, c'est-à-dire le RSA, effectivement, il y a en face une activité. Et ne me dites pas, madame, ma chère collègue, qu'on fait ça parce que, les expérimentations ne sont pas terminées. On conclut, les expérimentations ne sont pas terminées. C'est bien le sujet, c'est que vous n'avez pas attendu les expérimentations. Enfin, je vous rappelle, monsieur le rapporteur, que vous êtes député et que vous avez été élu sur ce programme des 15 heures. C'était votre programme législatif. Merci. Monsieur Saint-Huil. Merci, Madame la Présidente. J'étais tenté de féliciter le rapporteur pour sa qualité de rédaction type slalom géant, mais Monsieur Juvin vient de nous laisser penser que vous aviez accroché la dernière porte. Concrètement, tout le monde a compris ce qu'il y a derrière. Heureusement, nous aurons un peu de temps jusqu'à la séance pour que le rapport de force entre LR et la majorité continue d'exister et que vous trouviez une zone d'atterrissage. Ce qui me surprend toujours, c'est que, M. Juvin, à l'instant, vous disiez, nous, on est attachés aux 15 heures. En fait, vous êtes attachés au caractère irréalisable du texte. 15 heures, ça n'est pas possible pour bon nombre de situations. Vous vous y cramponnez et malheureusement, vous mettez, malheureusement ou heureusement, c'est votre affaire, la majorité dans une situation intenable où ils veulent pouvoir passer ce texte et ça sera la condition. Je vous souhaite bien du plaisir. Reconnaissons quand même que l'exercice était intéressant, monsieur le rapporteur. Hein, le slalom avait le mérite d'exister, mais l'équilibre est précaire. On vous souhaite de le retrouver d'ici la séance. Merci, monsieur Ferrati. Oui, merci, madame la présidente. Je rebondis sur les propos qui viennent d'être tenus par monsieur Saint-Huil et monsieur Juvin. Monsieur Juvin, vous nous invitez à nous pencher sur le programme présidentiel. Je voudrais dire que cet amendement correspond très précisément à l'esprit du programme présidentiel. Durant cette campagne, il a été précisé par tous ceux qui ont porté ce programme eh bien que les 15-20 heures ne sauraient s'adapter à des personnes qui avaient des problèmes trop lourds pour entrer en activité. Et si vous vous ramenez à ce qui se disait à ce moment-là, eh bien vous verrez que c'est précisément l'esprit de ce qui est dans cet amendement. Au fond, derrière le débat que nous avons, et c'est un débat intéressant, il y a la difficulté de tout service public de l'emploi à prendre en compte des situations très différentes. Les gens ont des parcours de vie différents, ont des aspirations différentes, ont, puisqu'on parlait des sanctions tout à l'heure, une énergie dans leur activité de recherche d'emploi qui peut différer. Et c'est la raison pour laquelle certains ont besoin d'être contrôlés et sanctionnés et d'autres ont besoin d'être aidés et accompagnés. Ces différences, elles font obstacle à ce qu'on traite eh bien, les gens de manière similaire. Et l'esprit de cet amendement, merci. C'est bien ça. Monsieur Turquois. Oui. Merci, madame la présidente. Est-ce qu'on pourrait tous se dire que il faut un engagement et donc on ne peut pas laisser des bénéficiaires du RSA sans contrepartie en termes d'engagement, en termes d'accompagnement. Mais que deux, il faut l'adapter à la situation. Ce qui est peut-être important, c'est la régularité. Donc déjà, est-ce que c'est toutes les semaines? La régularité et la montée en charge, parce qu'on ne peut pas rester à une heure par semaine. Et donc... Moi, je vois bien votre effort, monsieur le rapporteur, pour coïncider avec cet esprit-là. Mais une question, si on abordait d'ici la séance une question
de fréquence et de montée en charge, je pense qu'on arriverait à quelque chose qui est la réalité des accompagnateurs de l'emploi. Ils essayent de monter en puissance auprès des bénéficiaires du RSA, des personnes plus éloignées, pour les rapprocher de la condition d'employabilité. À ce stade, moi, je pense que nous, on va voter votre proposition. Merci. Mais je crois qu'il faudrait la retravailler d'ici à la séance. Merci. Allez, monsieur Delaporte. Merci, je ne m'étais pas encore exprimé sur ces amendements. Donc, c'était pour... mais pour soutenir le collègue Turquois. Parce que, finalement, ici, on a les conditions réunies pour la montée en charge de la mise en puissance par palier de cet accompagnement progressif, évolutif et fonctionnel, qui permettra, finalement, une mise en activité, ou plutôt une activation des activables du RSA. Non, mais c'est vrai. Et donc là, le rapporteur permet, finalement, par cet amendement de compromis, de trouver la voie ultime qui trouvera l'accord parfait. Et en dehors de cette plaisanterie, ben, je pense qu'on est ici dans ce qu'il y a de plus intéressant dans cette commission quand on a une majorité qui est minoritaire. Merci. Bien. Je vais donc mettre aux voix les amendements de Monsieur Delaporte qui ont les sous-amendements pardon de Monsieur Delaporte qui ont reçu un avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Donc, le 1510 qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Le 1509 qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Je mets aux voix les amendements identiques de Monsieur le rapporteur et suivants. Qui est pour ? Qui est pour ? Merci. Qui est contre ? Ils sont adoptés. Bien, nous continuons. Nous arrivons sur une discussion commune où je vais me permettre à nouveau, mes chers collègues, pour défendre vos amendements, là, j'en appelle vraiment à votre concision. C'est vrai que on est à 2 minutes par présentation d'amendement, mais là, on a une très longue discussion commune, donc essayez vraiment d'être en deçà. Et on démarre avec M. Daréville pour le 844. D'accord. On est d'accord. 844, monsieur Daréville. Merci. Oui, bon, en fait, c'est un amendement qui vient contredire ce qui vient d'être inscrit dans le texte, hein, très clairement. Mais peut-être que ça serait une bonne chose. Et finalement, peut-être que ça viendrait amener de la clarté dans le texte qui est absolument encore moins clair depuis qu'on a voté votre amendement précédent, monsieur le rapporteur, qu'il ne l'était auparavant. Parce que vous nous avez expliqué, c'est obligatoire, mais en fait, pas trop, peut-être faudrait voir. C'est un peu ça le truc. Donc, et puis en fait, en réalité, vous essayez de mentir à tout le monde. C'est-à-dire à nous, en nous disant, regardez, on aménage un peu les 15 heures, on les supprime, mais sans les supprimer complètement, tout en les supprimant. Et puis à nos collègues des Républicains, vous leur dites, regardez, on laisse les 15 heures. Donc vous essayez de gagner sur les deux tableaux. Bon, ça je vous dis, ça ne va pas marcher jusqu'au bout. Voilà. Donc c'est pas bien, ça ne va pas marcher jusqu'au bout. Donc moi, je propose de clarifier les choses. Je propose de clarifier les choses en écrivant qu'on ne peut pas contraindre un demandeur d'emploi à des heures d'activité obligatoires. Merci pour la concision. Madame Berrettet. Mes chers collègues, je souhaitais apporter une précision donc à la fin de l'alinéa 9 en proposant que la durée hebdomadaire d'activité soit modulable en fonction de l'évolution du projet et des besoins du demandeur d'emploi pour tenir notamment compte des points évoqués par certains collègues de tout banc confondu sur les contraintes. Cependant, vu des discussions que nous venons d'avoir, je retire cet amendement. Je verrai pour la séance. Merci. Merci, Madame Berrettet. Monsieur Turquois. Je crois que je me suis largement exprimé sur les précédents amendements. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est la notion de progressivité qui nous semble correspondre à une montée en puissance de l'accompagnement pour se rapprocher de l'employabilité. Merci. Monsieur Cato, le 1147. Merci, Madame la Présidente. J'ai bien compris votre demande d'accélérer. Donc, je vais défendre l'ensemble des amendements ensemble. Super. L'amendement 1147 vise à rendre obligatoire les 15 heures d'activité hebdomadaire exclusives aux bénéficiaires du RSA. Ceux qui ont travaillé durant de nombreuses années et qui ont cotisé au titre de l'assurance chômage ont droit à cette allocation. L'amendement 1142 vise à convertir le taux hebdomadaire d'activité obligatoire à un taux mensuel pour être mieux adapté au parcours d'accompagnement de chacun.
L'amendement 1140 vise à diminuer le nombre d'heures prévues dans le contrat d'engagement de 15 heures à 10 heures et à 5 heures pour les parents isolés et les proches aidants. L'amendement 1148 vise à faire du taux d'activité de 15 heures un objectif à atteindre et non une obligation. Et quant aux amendements 1149, 1143, 1144 et 1141, je les défends ainsi car ils reprennent à quelques détails près l'ensemble des amendements défendus au-dessus. Je vous remercie. Merci pour votre concision, Monsieur Clouet. Monsieur Quatennens. Merci Madame la Présidente. Bon, l'analyse électorale récente a permis d'étayer le fait que le vote Macron était le vote le plus bourgeois de toute l'histoire. Mais quand bien même, j'ai envie de vous dire, chers collègues, vous n'en avez pas marre d'emmerder les pauvres gens. Jamais vous n'oseriez le même niveau de contrainte avec vos amis les plus riches. Jamais. Vous savez, les 500 qui s'accaparent la moitié de la richesse produite dans ce pays du fait de votre politique. On est dans une rentrée où il y a 11 millions de pauvres dans ce pays. Des Français qui renoncent à tout à cause de l'inflation, inflation largement due aux super profits contre lesquels vous ne faites rien, qui renoncent à des repas, qui renoncent à des vêtements. Vous avez lourdé des milliards d'euros d'argent public sans aucune contrepartie aux entreprises avec de piètres résultats. Mais là, pour vous, 600 euros pour subvenir à des besoins et avec de grandes difficultés, c'est trop. Il faudrait demander des contreparties. Je voudrais simplement vous rappeler le préambule de la Constitution de 1946. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Je ne suis pas sûr que 600 euros, ce soit des moyens convenables d'existence. Et quant à la situation économique du pays, puisque vous parlez souvent de la situation de l'emploi, je veux rappeler que dans ce pays, aujourd'hui, il y a un emploi non pourvu pour 18 chômeurs disponibles. Même si vous poussiez tout le monde dans les cases vides, vous auriez encore un énorme problème. Donc, par tous les moyens, y compris par le biais de cet amendement, nous cherchons à contourner cette obligation des 15 heures, car le RSA doit être inconditionnel. Merci, Monsieur Delaporte. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, Monsieur Tourcoy aime beaucoup parler de plancher, de montée progressive. Nous, ce qu'on vous propose, c'est aussi de rajouter un plafond, puisque ça permettra d'avoir une maison bien construite. Alors, même si vous avez atténué la portée hein, de cet amendement de cet article par l'amendement adopté il y a quelques instants, voilà, cette fourchette de 15 à 20 heures, qui a toujours été celle de la communication, eh bien, on vous propose de la transcrire dans le texte de loi. C'est très simple. Merci beaucoup. Monsieur Cato. Merci, Madame la Présidente. Mais comme je vous l'avais dit, effectivement, il est défendu avec les autres. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur. Oui, je vais exprimer sans grande surprise un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements pour rester sur l'écriture que nous venons d'adopter. Et je vous invite éventuellement, puisque Monsieur Delaporte était très motivé pour le sujet, à ce qu'on retravaille le sujet lors de la séance. Merci. Bien, je vais mettre aux voix ces amendements qui ont reçu un avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Le 844 de Monsieur Dharréville, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Le 337 a été retiré. Le 1280, même avis, même vote. Merci. Les amendements de Monsieur Cato, même avis, même vote, si vous êtes d'accord. Un après l'autre. Le 1147, même avis, même vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Le 1142, même avis, même vote. Le 1140, même avis, même vote. Le 1148, même avis, même vote. Le 1149, même avis, même vote. Le 1143, même avis, même vote. Le 1144, même avis, même vote. Le 1016 de Monsieur Clouet, qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Le 112 de Monsieur Delaporte, qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Et le 1141 de Monsieur Cato, qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Nous poursuivons avec un amendement de Monsieur Cato, le 1146. Merci Madame la Présidente, il a la même idée que les précédents, donc il est défendu. Merci. Merci. Le 879 de Monsieur Marchiot. Pardon, l'avis du rapporteur, excusez-moi. Oui, la distinction que vous proposez proposerait une égalité donc, de traitement entre demandeurs, donc j'y suis défavorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ?
Il est rejeté. Le 879 de Monsieur Marchaud. Allez-y. Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement précise que l'activité attendue du demandeur d'emploi dans le contrat d'engagement n'est pas prise en compte dans l'appréciation du restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Merci. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, il ne semble pas souhaitable d'exclure ces personnes qui pourront réaliser des activités à visée sociale pour une durée qui correspond évidemment à leur situation personnelle comme nous l'avons proposé. Donc l'objectif de cette activité, je le rappelle, est aussi de lutter contre l'exclusion sociale des personnes les plus éloignées d'emploi. Donc il ne me semble pas opportun de les exclure comme vous le proposez. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Amendement 98 de Monsieur Delaporte. Oui, merci. C'est ce que j'appelle un amendement garde-fou. C'est un amendement qui permet de garantir l'engagement qui est le vôtre, que les 15 à 20 heures ne soient pas des heures de travail. Hein, parce que finalement, on peut avoir des interrogations, même quand on regarde la liste présente aux pages 265, 266 et 267 du rapport Guiluy, qui ont été évoquées tout à l'heure par des membres de la majorité. Quand on a, par exemple, des éléments qui s'apparentent à de la découverte professionnelle, bon, ça pourrait s'apparenter parfois à de l'activité professionnelle. Donc voilà, on veut sécuriser cela et on veut donc dire que sous peine de constituer un délit de travail dissimulé au sens du présent code, ces heures ne peuvent être mises à profit pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'organisme d'accueil pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou un agent en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail. C'est très important, monsieur le rapporteur, parce que quand on visite par exemple une agence Pôle emploi, il arrive qu'il y ait des activités qui soient proposées dans le cadre de l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Et parfois, certaines entreprises peu scrupuleuses utilisent cette main-d'œuvre en formation, en découverte professionnelle, comme une véritable main-d'œuvre. Et donc, la loi doit être extrêmement claire. Quand c'est reconnu, alors, dans ce cas-là, ces entreprises sont déréférencées. Il n'y a plus de contractualisation avec Pôle emploi. Mais voilà, il faut être extrêmement clair sur ce point. Et je finirai en disant que cet amendement, il révèle aussi notre inquiétude plus largement sur les 15 à 20 heures comme un travail potentiel. Merci. À vous de nous rassurer en le faisant adopter, mais aussi en répondant à la question que je pose depuis tout à l'heure sur l'histoire de la rémunération des formations de Pôle emploi. Parce que quand on fait ça à Pôle emploi, on est rémunéré. Allez, monsieur le rapporteur. Oui, ce sera un avis défavorable, chers collègues, puisque le plan d'action a pour objet de proposer, je le rappelle, les activités d'accompagnement à la personne en fonction de ses besoins, de sa situation, de son projet professionnel ou social, et que ces activités peuvent donc être de nature très diverse, des ateliers, des actions de mobilisation, etc. Il ne s'agit pas, évidemment, d'heures de travail obligatoires, donc je suis défavorable. Merci. Monsieur Coué. Merci, Madame la Présidente. Tout à l'heure, Monsieur le rapporteur nous a confirmé que des stages, par exemple, ou des activités de bénévolat pouvaient rentrer dans le périmètre des 15 heures concernées. Donc, adopter cet amendement de M. Delaporte, c'est la seule garantie qu'on ait pour que ce que vous considérez, et je ne mets pas du tout en doute votre parole, vous voyez des situations dans lesquelles vous avez des tâches de bénévolat qui sont distinctes d'un poste de travail. Vous imaginez de la formation qui n'est pas de la mise en situation qui se substituerait à un poste. J'en doute pas une seconde. Mais vous créez un texte de loi permettant à n'importe qui de faire autre chose que ce que vous imaginez. Et ça, c'est dangereux. Et ce que propose M. Delaporte ici, c'est la garantie que la manière dont vous percevez les activités en question soit la réalité et qu'il n'y ait pas ce risque que nous soulignons depuis le début. Merci. Je mets aux voix cet amendement, M. Delaporte. Oui, et M. le rapporteur, vous ne me répondez pas sur ma RFPE. C'est vraiment important. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de M. le rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Le 653 de M. Ratenon. Oui, Madame la Présidente, rapidement, dans la mesure où le gouvernement entend fournir des activités à l'ensemble des demandeurs d'emploi, des bénéficiaires du RSA, etc., etc., nous souhaitons garantir que les 15 heures d'activité imposées aux demandeurs d'emploi ne soient pas du travail gratuit et qu'elles soient rémunérées sur la base du SMIC et sans remettre en question le bénéfice du RSA. Et comme le souligne Guillaume Allègue de l'OFCE, on ne peut demander une juste contribution à ceux qui sont
empêchés de contribuer pour des questions de santé, de mobilité, de manque de formation ou manque d'emploi leur correspondant. En conditionnant le versement d'une allocation sociale à la réalisation d'activités peu ou pas rémunérées, le gouvernement réalise ici une attaque néolibérale contre la justice sociale et le salariat. Dans l'esprit contraire de ce texte, nous souhaitons plutôt améliorer la qualité de vie des demandeurs d'emploi afin qu'ils ne tombent pas davantage dans la précarité, d'où notre amendement, et je vous demande de l'adopter. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, je voudrais qu'on évite de trouver dans le procès d'intention, encore une fois, en soupçonnant une volonté d'instaurer un travail obligatoire. Les activités qui seront réalisées le seront dans le respect du contrat de travail. Le meilleur garde-fou, mes chers collègues, c'est bien quand même la personne qui est chargée d'accompagner le travailleur social en particulier dans la rédaction du contrat d'engagement. Voilà, je suis défavorable à votre proposition. Merci, monsieur Clouet. Merci, madame la présidente. Je ne pense pas qu'il s'agisse ici d'un procès d'intention. On n'est pas en train de vous dire que vous souhaitez mettre les gens, vous personnellement, au travail gratuit. Personne ne dit ça. On dit que le cadre légal qui est posé le permet. C'est très différent. Ce n'est pas une mise en cause de vos intentions personnelles. C'est une mise en cause du cadre légal tel qu'il peut être employé par les différents organismes référents dans lesquels seront positionnés et accompagnés les personnes. Et enfin, effectivement, si vous dites ces personnes-là, pour les émanciper, on leur fait une activité obligatoire qui est donc contrainte, à laquelle est subordonnée leur allocation, dans laquelle ils ont un rapport de subordination à un organisme et dont ils sont dépendants pour vivre, bah franchement, ça ressemble quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup à du travail sans le salaire. Merci, monsieur Turquois. Oui, merci, madame la présidente. Ce qui est proposé là, c'est ce que font des missions locales. Est-ce que vous allez me trouver une mission locale qui a envoyé un jeune dans un travail non rémunéré? C'est des stages de découverte. C'est pas une activité de production, c'est une activité de suivi pour qu'on se rende compte, pour que le jeune il se représente si ça peut correspondre à son envie ou pas, et si il faut creuser ce projet-là. Il n'y a pas une notion de productivité derrière le jeune qui va en entreprise dans le cadre des missions locales. C'est presque une injure que vous faites aux travailleurs des missions locales. Merci, monsieur Delaporte. Monsieur Turquois, j'entends ce que vous dites. Il n'y a pas forcément de productivité, mais quand on prend un stagiaire, c'est pas pour qu'il produise et pourtant on le rémunère. Et là, la question que je pose depuis tout à l'heure, c'est est-ce que le stage ou l'activité de formation donne lieu à une rémunération spécifique qui est différente du RSA, ou est-ce que l'on considère que le RSA est cette rémunération? C'est une question essentielle et j'ai toujours pas de réponse. Merci. Monsieur Le Gac. Effectivement, là, notamment à travers ces amendements, on évoque les périodes de mise en situation des milieux professionnels, ce que les professionnels d'insertion connaissent tous, et qu'ils appellent les PSMP. Elles sont fondamentales. Elles sont fondamentales parce qu'elles permettent effectivement à ceux qui sont éloignés de l'emploi de se confronter à des situations réelles pour découvrir un métier ou un secteur d'activité. Elles peuvent aussi venir pour confirmer un projet professionnel. Elles peuvent aussi venir pour quelqu'un qui n'a pas travaillé depuis longtemps et de se retravailler sur les savoir-être et de vérifier si il a bien envie de faire ce métier, etc. Elles sont encadrées déjà par la loi. Elles sont encadrées par Pôle emploi. Les durées maximales ne sont que de un mois. Elles ne peuvent pas être reconduites ou alors sauf exception. Tout ça, c'est déjà encadré. Mais ces périodes de mise en situation en milieu professionnel sont très importantes. Donc oui, effectivement, demain, un bénéficiaire du RSA pourra, dans le cadre de son accompagnement, faire une période de mise en situation professionnelle dans une entreprise. Et il faut le défendre parce que c'est fondamental. Merci, Madame Rousseau. Mais ce dont vous parlez, c'est une formation. Donc ça rentre dans le cadre d'une formation. En fait, la question, donc je la repose parce que par ailleurs, je n'ai pas eu de réponse, c'est quoi une activité, quoi? Est-ce que c'est une formation? Et dans ces cas-là, il y a une rémunération liée à la formation. Est-ce que c'est un emploi? Et dans ces cas-là, il y a une rémunération liée à l'emploi. Si c'est du bénévolat, alors ça ne peut pas être obligatoire. Et vous voyez bien que là, on invente quelque chose de tout à fait nouveau qui consiste à utiliser... Non, c'est dans le cadre, ce que vous venez de décrire est dans le cadre d'une formation. C'est dans le cadre des accompagnements de Pôle emploi dans le cadre d'une formation. Donc en fait, la question que je pose,
c'est que vous venez de créer quelque chose qui s'appelle une activité, qui est spécifique pour les personnes qui bénéficient du RSA, qui tombe dans une espèce de trou noir législatif dont on ne sait pas définir au nom de la nature même de ce qu'ils vont faire. Et tout cela, merci. Tout cela pourquoi ? Pour imposer... Pour allez, je mets aux voix. Merci. Je mets aux voix ces amendements, cet amendement, qui a reçu un avis défavorable de Monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Mes chers collègues, nous allons passer maintenant à un pour, un contre en défense de chaque amendement. Il y a encore énormément d'amendements, donc ça nous laissera largement l'occasion de s'exprimer et donc d'essayer de faire passer la parole et les avis des différents groupes. Donc on continue avec l'amendement de M. Delaporte, le 220. Oui, merci Madame la Présidente. Il s'agit ici de garantir le consentement de l'allocataire à la signature de son contrat d'engagement libre, éclairé, express, et que les actions contenues dans ce même contrat seront libres, adaptées et pertinentes. Pardon, j'ai dit libre, mais c'est légitime, adapté et pertinente. Voilà, donc ça c'est finalement un objet. Je pense que vous allez être d'accord avec ça. Donc on va le voter collectivement et ça permettra d'avancer ensemble. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, c'est satisfait. Pour moi, c'est contenu explicitement par rapport à la définition du contrat d'engagement réciproque dans lequel nous débattons depuis deux jours. Voilà. Après, on peut jouer au dictionnaire des synonymes, hein, monsieur le rapporteur. J'entends merci. Monsieur le rapporteur, mais voilà, je redis, en fait, là, on vient d'avoir un débat et je ne comprends pas, et je reviens sur ce qu'on vient de dire auparavant, si la formation... Parce que la formation, elle est dans les activités prévues. Bah oui, mais on en reparle. Vous m'expliquerez. C'est pas une conversation. Si elle est payée ou pas. Merci. Je mets aux voix cet amendement de Monsieur Delaporte, qui a reçu un avis défavorable de Monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement 741 de Madame Levavasseur. Merci Madame la Présidente. Pour trouver un emploi, il faut en chercher un. La recherche est ainsi la principale activité d'un demandeur d'emploi. Il paraît donc incongru de ne pas mentionner cette activité dans les actions qui doivent être accomplies. Aussi, cet amendement doit à temps ajouter la recherche aux activités de formation, d'accompagnement et d'appui qui seront mises en place dans le plan d'action. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, il n'est pas question ici de temps à comptabiliser. La recherche d'emploi étant par définition aussi l'objet du suivi et des actions d'accompagnement et d'appui. Donc, je considère qu'il est satisfait par l'écriture du contrat d'engagement. Merci. Un retrait ou à défaut, j'y serai défavorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement 110 de Monsieur Delaporte. Oui, merci. Il s'agit finalement de s'aligner sur le contrat d'engagement jeune, parce qu'on parle souvent de l'obligation d'activité, mais on ne dit jamais la durée. La durée, pas de 15 à 20 heures, mais combien de temps ? Est-ce que vous visez à mettre en activité les RSA, les allocataires du RSA, pendant toute la durée de leur allocation ou pendant une période définie, type 6 mois, comme le CEJ ? Merci, monsieur le rapporteur. Oui, le CEJ peut effectivement être prolongé jusqu'à 12 mois. Et en fait, les 15 heures par semaine concernent toute la durée du parcours d'engagement du demandeur d'emploi, parcours qui peut durer en fonction plus de 6 mois, en fonction des moments de l'éloignement de l'emploi. Il serait contre-productif qu'un demandeur d'emploi engagé dans une activité qui lui convient soit contraint de l'arrêter au bout de 6 mois. Quoi. Donc, du coup, ça devient improductif, votre proposition, cher collègue. Donc, j'avais un défavorable. Merci. Monsieur Delaporte. Mais finalement, la même remarque aurait pu s'appliquer aux jeunes qui cherchent à s'insérer. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on a limité le CEJ à 6 éventuellement renouvelables, mais renouvelables de façon extrêmement marginale ? Oui, mais ce que je dis, Madame la rapporteure, c'est que ces dérogations sont extrêmement marginales et que la durée est... attendez, c'est pas moi, c'est l'IGAS qui le dit. Elle est même inférieure en moyenne à 6 mois à cause notamment des sorties d'emploi et que... Quand on va dans un centre Pôle emploi, c'est inférieur à 6 mois ou égal à 6 mois et marginalement renouvelé. Ça veut dire que vous avez un principe d'une durée. Ici, vous me dites que la situation est extrêmement différente et que si les jeunes ont max 6 mois, globalement comme principe, par contre, pour les RSA, ça peut être 7, 8, 9 ans. Donc, vous allez faire 25 fois votre atelier coaching personnel, peut-être. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement 1115 de Monsieur Cato. Merci Madame la Présidente. 145.
du fait du flou des mots utilisés dans ce projet de loi, et je pense que les débats l'ont assez montré, il est demandé par cet amendement au gouvernement d'apporter des précisions quant aux actions à réaliser par les demandeurs d'emploi par décret. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, par définition, les actions proposées et demandées à réaliser seront définies dans le contrat d'engagement. Je ne vois pas l'intérêt de le renvoyer à un décret, donc je suis défavorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement en discussion commune de monsieur Bazin, le 363, il est défendu. Monsieur Juvin. Madame la Présidente, écoutez, dans l'hypothèse des fameuses 15 heures qui manifestement sont assez contestées dans cette Assemblée, nous souhaitions que les parents qui avaient un enfant à garde, ainsi que les personnes en situation de handicap, ainsi que celles qui étaient engagées dans la création d'une entreprise, puissent être dispensées de cette obligation de 15 heures. Ça nous paraissait être une mesure intelligente qui permettait justement d'assouplir avec pragmatisme la disposition de 15 heures. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, on se retrouve dans l'intention, enfin dans sur le fond, hein, mais c'est effectivement pour ça qu'on a bien précisé que si cela s'avère adapté à la situation, donc qui relève de l'appréciation finalement du travail proposé dans le cadre du contrat d'engagement, donc je pense que c'est satisfait, monsieur Juvin. Défavorable. Donc je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement 1203 de monsieur Clouet. Merci madame la présidente. Un amendement qui vise à faire un petit pas de côté là aussi dans la foulée de ce que disait mon collègue Quatennens tout à l'heure. Puisque vous nous dites qu'il va falloir imposer 15 heures d'activité hebdomadaire à des personnes dont vous jugez que leur intégration sociale est défaillante, eh bien on voudra en identifier d'autres. Ici, on est un peu restrictif, on s'est dit qu'on allait se contenter de désigner les personnes qui touchent plus de 20 000 euros bruts mensuels, parce que ces personnes nous paraissent également poser un certain nombre de problèmes sociaux aujourd'hui. Déjà, ils payent moins d'impôts que les autres, c'est pas terrible. Ils polluent à peu près 10 à 20 fois plus avec leur mode de vie. Généralement, les modalités d'enrichissement sont assez peu reluisantes. Et donc, si vraiment on veut jouer au jeu de se dire que toute personne qui a un mode de vie qui ne correspond pas à la norme du plus grand nombre doit être reprise en main et accompagnée, mais on propose de regarder un peu en haut de l'échelle sociale. Je pense qu'il y a des gens là qui méritent de découvrir le monde du travail, de l'activité, peut-être de se rendre socialement utile au plus grand nombre. Et donc peut-être, si jamais un jour on pouvait considérer les plus riches comme étant un problème plus important et plus urgent que celles et ceux qui se bagarrent avec 600 balles par mois, eh bien on pourrait commencer par là. Monsieur le rapporteur. Défavorable. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement 118 de monsieur Delaporte. Il est défendu. Je mets aux voix avis du rapporteur. Il est défavorable. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement 108 de monsieur Delaporte. Il est défendu. Merci, monsieur le rapporteur. Défavorable. Merci, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement 556 de monsieur Clouet. Oui, allez-y. Merci, madame la présidente, collègues. Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire LFI NUPES souhaitent alerter sur le caractère flou des 15 heures d'activité hebdomadaire qui seraient imposées aux allocataires de revenus de solidarité active si ce texte venait à être adopté. Ce terme est si flou qu'on pourrait tout imaginer. Martine, maman solo de deux enfants, obligée de se réveiller aux aurores pour aller trier des dons au Resto du Cœur qu'elle est obligée de fréquenter le week-end. Cette idée de l'accompagnement vous paraît ubuesque. C'est pourtant ce qui se passe en Creuse, dans l'un des 18 territoires où s'est déroulée l'expérimentation du projet France Travail. Sur plus de 80 personnes bénéficiaires du RSA, les 15 heures d'activité ont seulement pu être proposées à une seule personne qui a dû participer à des actions de solidarité à la banque alimentaire. Face à cette porte ouverte à tous les possibles, notre groupe parlementaire propose donc à minima d'exclure toute activité qui pourrait être accomplie à titre lucratif, comme les stages en entreprise. Monsieur le rapporteur. Oui, à l'occasion donc de réaffirmer que les activités que réaliseront les demandeurs d'emploi s'inscrivent évidemment dans le respect du Code du travail, mais il serait contre-productif d'empêcher les demandeurs d'emploi de réaliser des stages qui sont souvent un tremplin vers l'emploi. Donc, avis défavorable.
Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de M. le rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Amendement 106 de M. Delaporte. Merci, Madame la Présidente. Il s'agit d'un amendement, chers collègues de la NUPES, un peu bruyant sur ma gauche. Pardon, non, c'était une boutade. Il s'agit d'un Écoutons M. Delaporte, s'il vous plaît. Il s'agit d'un amendement important parce qu'il précise que l'alinéa 9 dit « Il respecte le droit à jouir des congés mentionnés au titre 4 du livre 1er de la troisième partie du présent code ». En effet, vous avez dit, monsieur le rapporteur, il y a de cela 10 minutes, que la durée pourrait excéder 6 mois, 1 an, 2 ans, etc. Mais quid des congés ? Parce qu'on a le droit de partir en vacances, même quand on est au RSA, n'en déplaise à celles et ceux qui pensent que les allocataires du RSA sont de dangereux profiteurs. On a le droit d'avoir un certain nombre de jours de repos. On a le droit, finalement, de pouvoir en bénéficier. Et à aucun moment, cela n'a été évoqué. Il faut permettre à celles et ceux que l'on va mettre en activité de pouvoir profiter aussi du droit au repos. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, non, mais vous avez raison, chers collègues. On n'en a pas parlé parce que c'est satisfait et qu'on n'a pas visé à le changer, hein, puisque c'est l'occasion de rappeler évidemment que les demandeurs d'emploi bénéficient déjà de congés en vertu de l'article R5411-10 du Code du travail, qui prévoit également d'autres cas d'indisponibilité du demandeur d'emploi. Donc avis défavorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Amendement 109 de monsieur Delaporte. Eh bien, écoutez, on va continuer. Mais finalement, la durée hebdomadaire d'activité n'est pas applicable non plus à leur famille, à leur conjoint, leur concubin ou leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui occupe un emploi dans les 3 derniers mois. Oui, parce qu'aujourd'hui, finalement, vous allez inscrire à Pôle emploi les conjoints des allocataires. Eh bien, il faut qu'ils puissent être exemptés, finalement, de cette application. C'est, selon l'étude RSA parmi les bénéficiaires fin 2018, 2 sur 5 ont travaillé en 2019 de la DRESP parue en janvier 2023. 40% des allocataires du RSA occupent un emploi au cours des mois suivant la perception de la prestation. Et donc, on ne va pas contraindre ces personnes à la réalisation d'autres activités alors qu'elles sont déjà dans une démarche d'insertion professionnelle. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, rapidement, parce qu'on a déjà évoqué un peu ce sujet. Donc, je répète à nouveau que la situation au regard de l'indemnisation ne saurait être un critère de distinction entre demandeurs d'emploi. Les modalités doivent s'appliquer à tous et trouver à s'adapter à la situation personnelle de chacun. Avis défavorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Amendement 1198 de monsieur Juvin. Les deux amendements, madame la présidente, si vous me le permettez. Volontiers, merci. Les Républicains, nous souhaitons l'instauration d'une durée d'activité hebdomadaire de 15 heures pour les bénéficiaires du RSA. Toutefois, nous pensons qu'il faut exclure de cette obligation au moins deux catégories. La catégorie des bénéficiaires de l'allocation d'adultes handicapés et les parents isolés sans solution de garde, exclus de ces 15 heures obligatoires. Votre avis, monsieur le rapporteur, sur ces deux amendements ? Oui, ça justifie l'utilité de la précision que nous avons apportée tout à l'heure, en rappelant qu'évidemment, ce sera adapté à la situation particulière des demandeurs d'emploi et aux difficultés qu'ils rencontrent. Oui, parce que c'est satisfait, tout à fait. Défavorable. Merci. Je mets aux voix l'amendement 1198 qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Le 1199, avis défavorable du rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Amendement 261 de monsieur Delaporte. Il est très bien défendu. Merci, monsieur le rapporteur. Avis défavorable. Parfait. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Amendement 859 de monsieur Bonnet. Merci, madame la présidente. C'est juste essayer de rendre un peu opérationnel ce contrat d'engagement et d'ajouter la notion de désir et de souhait. Il y a les souhaits et les besoins. Les besoins, c'est le besoin de travailler pour gagner sa vie. Et le souhait, c'est s'épanouir et choisir son métier. C'est important pour la personne qui recherche un emploi, mais c'est aussi important pour l'employeur. Souvent, des employeurs nous disent, on nous a envoyé des jeunes qui ne souhaitent pas faire ce métier, qui ne veulent pas faire ce métier.
Et donc, a priori, l'orientation a été faite sans tenir compte du désir du jeune. Et souvent, c'est une catastrophe quand on est sur le lieu de travail. Donc, pour nous, il faut rajouter la notion de souhait. Et ça sera une satisfaction supplémentaire suite à ce que j'ai cru comprendre, que les 15 heures n'étaient plus obligatoires grâce à votre amendement de tout à l'heure. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, ça renvoie par la définition au contrat d'engagement réciproque tel que nous l'avons voté ensemble. Donc, évidemment, je considère qu'il est satisfait, chers collègues, et je vous demande un retrait ou à défaut, j'y serai défavorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Amendement 737 de madame Levavasseur. Merci, madame la présidente. Cet amendement vise à ajouter la situation médicale des demandeurs d'emploi dans le contrat d'engagement. La santé est primordiale dans la vie de chacun. Elle est d'autant plus dans la vie professionnelle. Il ne faut pas négliger les freins qu'une santé défaillante peut causer dans la recherche, la reprise d'un emploi. Certes, les qualifications et les expériences passées sont importantes, mais certains métiers pouvant être exercés à 25 ans ne le sont plus forcément à 50, ou plus difficilement. Certains travailleurs ne sont ainsi plus dans l'état physique de reprendre une activité qui était pourtant le cœur de leur métier à cause de leur santé. La situation personnelle du demandeur est une rédaction trop large. Il faut spécifier noir sur blanc la prise en compte de sa santé dans ce contrat d'engagement et ne pas négliger son importance. Merci. Monsieur le rapporteur. Et merci. Donc la santé fait évidemment partie des éléments relatifs à la situation personnelle du demandeur d'emploi que nous avons visé. Et par ailleurs, la santé sera déjà prise en compte en amont dans le cadre des critères d'orientation pour justifier le meilleur accompagnement. Donc on dirait que c'est satisfait. Donc je prends un retrait ou à défaut, j'y serai défavorable. Monsieur Clouet. Merci, madame la présidente. Amendement qui me paraît un peu étonnant parce que si on parle de situation, en la qualifiant de situation médicale, ça veut dire qu'elle se base sur des données médicales et il y a un secret médical qui existe en l'occurrence. Et je pense que c'est extrêmement dangereux que d'inclure des données personnelles à caractère médical ou pas les inclure, mais les communiquer à des professionnels dont ce n'est pas l'activité ni le métier. Et d'ailleurs, je pense qu'ils n'ont pas du tout envie, les professionnels du placement public, d'avoir accès à ces données-là. Donc je trouve que c'est un vrai danger pour les libertés individuelles et on a conquis de haute lutte le droit à la protection des données médicales de chacun et au contrôle des données sur soi. Et ce serait ici un recul extrêmement vif. Merci. Oui, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur qui est pour. Qui est contre. Il est rejeté. Amendement en discussion commune, le 107 de monsieur Delaporte. Oui, merci. C'est un sujet dont on a déjà parlé, mais qui ici nous permet de rentrer dans le dur, puisqu'il vise à tenir compte des engagements pris dans le contrat d'engagement, des suggestions des parents d'enfants handicapés, des personnes isolées assurant la charge d'un enfant et des aidants. Il a été travaillé avec l'APF France Handicap, et finalement, il permet de nuancer cette obligation de s'inscrire dans une démarche de recherche d'emploi qui ne tient pas compte des suggestions personnel et en particulier c'est des parents isolés d'enfants handicapés. Merci. Plusieurs amendements identiques. Le 278, madame Berreté, n'est pas défendu. Le 779, madame Panossian. Oui, j'espère que cet amendement sera adopté. Le contrat d'engagement dit prendre en compte la situation familiale. Nous, ce que je souhaiterais, c'est qu'il puisse dire notamment la situation d'aidant familial. Parce qu'être parent, être conjoint, c'est pas la même chose quand on l'est d'une personne en situation de handicap, d'une personne malade. Ça prend du temps. Trois quarts de nos aidants sont des actifs, donc en situation d'âge de travailler et aider un proche prend du temps. La situation familiale ne prend pas nécessairement en compte le fait qu'on peut aussi être aidant de parents. Ce n'est pas quelque chose qu'on a dans la situation civile. Donc pour moi, il est naturel, et pour 17 de mes collègues qui ont co-signé cet amendement, que ce temps d'aidant soit pris en compte dans la définition du plan d'accompagnement dans la recherche d'emploi. Et je rappelle que nous avons 11 millions de nos concitoyens qui sont des aidants familiaux. Merci. Merci. Madame Garin, le 1195. Monsieur Pétavi, bon, il n'est pas défendu. Le 1211, madame Amrani. Merci, madame la présidente. Nous souhaitons ici permettre la prise en compte du rôle de proche aidant et de ne pas les soumettre au contrat d'engagement.
Collègues, il me semble utile de partir des situations concrètes des gens. Près de la moitié des proches aidants pointent la fatigue et l'impression de se sacrifier. Nous estimons qu'il est inhumain et impossible d'imposer 15 heures d'activité à des personnes sans emploi qui aident un proche. Je souhaite préciser qu'au sein de notre pays, il y a plus de 11 millions de proches aidants et donc près de 1 million d'entre eux sont en majorité des femmes qui passent plus de 34 heures ou par, voire même un peu plus par semaine pour s'occuper soit d'un conjoint, soit d'un un parent, soit d'un enfant en raison de leur état de santé. Et donc, du coup, il y a aussi l'âge, en fait, et la situation d'handicap. Pour ces raisons, c'est pour toutes ces raisons que nous demandons, en fait, que les proches aidants soient exclus, en tout cas, qu'ils ne participent pas à l'élaboration du contrat. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Votre avis sur ces différents amendements? Oui, mais nous portons globalement tous la même volonté d'avoir une attention très particulière pour la situation des proches aidants. D'ailleurs, c'est ce qui a motivé hier nos travaux autour des critères d'orientation et les critères d'accompagnement social, puisque dans ces deux principes, nous avons inclus explicitement la question des proches aidants et que le contrat d'engagement doit tenir compte, bien évidemment, de ces deux critères. Donc, à ce titre, vos amendements sont satisfaits. Merci, Madame Panossian. Permettez-moi, Monsieur le rapporteur, d'objecter ce que vous venez de dire. Le contrat d'engagement prend en compte la situation personnelle et familiale, mais il ne parle pas de l'aidance familiale. Je pense que c'est extrêmement important parce que la situation civile, vraiment, est très différente en fonction de la situation de santé, de handicap de la personne aidée. Et ça prend du temps. Et je pense que ce serait une vraie reconnaissance aussi, parce que ça a un impact aussi dans la recherche, dans le temps disponible. Mais est-ce que ça prend en compte le contrat Merci. D'engagement ? Merci. Je vais mettre aux voix l'amendement 107 de Monsieur Delaporte, qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Les amendements identiques, qui ont reçu également un avis défavorable de Monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre, ils sont rejetés. Amendement identique, le 279 de Madame Dupont. Madame Beretté, n'est pas défendu. Madame Panossian, non, n'est pas défendu. Le 1294 de Monsieur Isaac Sibyl, défendu, merci. Monsieur le rapporteur. Oui, défavorable, Madame la Présidente. Merci, je mets... Monsieur Neder. Excusez-moi, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, j'ai pas vraiment compris la réponse à la question de Madame Panossian. Si, c'est satisfait. Oui. C'est satisfait. Donc je mets aux voix l'amendement. Il est retiré. Merci. Le 558 de Monsieur Clouet. Oui, merci Madame la Présidente. Alors cet amendement, il a un objectif assez simple, il s'inscrit dans les débats qu'on a depuis quelques instants autour de la nature des informations qui sont communiquées par les usagères et usagers aux différents organismes qui les prennent en charge. Et il vise ici à restreindre un petit peu la nature, l'ampleur des types d'informations qui sont communiquées, notamment en remplaçant des informations à caractère personnel et familial par des besoins, qui peuvent être des besoins en matière notamment horaire, donc les rythmes, les temporalités de l'activité, ou des besoins en matière d'aménagement du poste du travail. Bref, des choses qui nous paraissent plus utiles pour un parcours de retour vers l'emploi et moins utilisables pour un parcours vers le contrôle social. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, effectivement, le contrat d'engagement tient compte, on l'a vu, donc des besoins du demandeur d'emploi afin d'y répondre au mieux. Donc ces besoins, évidemment, dépendent de la situation personnelle et familiale du demandeur d'emploi pour éviter que ce dernier soit contraint et donc insatisfait de son accompagnement. C'est uniquement dans cette optique que le contrat d'engagement recueille des informations relatives à la situation personnelle et familiale du demandeur. S'agissant des besoins donc éventuels du demandeur en matière d'aménagement de l'ergonomie du poste de travail ou d'horaire, ils ne me semblent pas trouver leur place dans le contrat d'engagement puisque ces besoins seront discutés avec un éventuel employeur au moment de la signature d'un contrat de travail. Donc c'est un avis défavorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable du rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. L'amendement 1233, oui.
Merci Madame la Présidente. Le but de cet amendement est que le demandeur d'emploi se sente écouté dans ses projets et ambitions de travail. Si le contrat d'engagement ne tient pas compte de ses objectifs professionnels, il n'ira pas au bout, sera radié et ne pourra aller vers l'emploi. Le contrat d'engagement ne doit pas tenir compte des seuls paramètres techniques, mais aussi des besoins exprimés par le demandeur d'emploi afin de favoriser son retour à l'emploi. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, ces éléments sont déjà prévus dans le contrat d'engagement. Donc, avis défavorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Amendement 478 de Mme Garand. Monsieur le rapporteur. Défavorable. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Amendement. Non, personne n'est là. Deux amendements identiques. Le 316, monsieur Delaporte. Dans trois amendements. Oui, c'est un amendement qui vise à défendre un service public accessible, adapté aux personnes et qui ne soit pas uniquement numérique. On a parlé de la fracture numérique précédemment. Cet amendement a été travaillé avec le Secours catholique et le collectif Alerte qui s'engage contre la fracture numérique. Merci. Le 1013 n'est pas défendu. Le 1178 de Mme Garand n'est pas défendu. Monsieur le rapporteur. Oui, excusez-moi, mais je considère que votre proposition d'écriture de l'alinéa 11 est trop restrictive pour figurer dans la loi. Nous souhaitons tous accélérer la prise en charge des demandeurs d'emploi, mais aussi le délai d'un mois maximum que vous prévoyez ne me semble pas aussi raisonnable que vous le présentez, notamment pour les départements accueillant les personnes les plus en difficulté. Donc j'émets un avis défavorable. Monsieur Delaporte. Oui, monsieur le rapporteur, j'entends votre satisfaction par rapport à l'objet de cet amendement. Si c'est une question de durée, peut-être qu'on peut la retravailler en vue de la séance pour envisager une adoption. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Ok, il est retiré, merci. Le 710 de Madame Lebon. Monsieur le rapporteur. Défavorable. Merci, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Amendement 847, Monsieur Boucard. N'est pas défendu. Amendement 1000 en discussion commune. 1096 de Madame Amrani. Merci Madame la Présidente. Là encore, nous estimons qu'il est crucial de rétablir l'équilibre d'un contrat qui se fait au détriment de l'allocataire en y mettant de l'humain. Nous souhaitons ici que chaque demandeur d'emploi soit informé des modalités de recours dont il dispose face à l'État lorsque ce dernier échoue à remplir sa mission d'accompagnement, ou on peut dire France Travail si vous le souhaitez. La logique coercitive et comptable de ce texte est celle qui consiste à dire qu'un privé d'emploi serait coupable, ou qu'il n'est pas suffisamment investi pour trouver un emploi. La réalité est tout autre. L'État échoue à créer des emplois de bonne qualité. Pourtant, la responsabilité est systématiquement rejetée sur les privés d'emploi. L'État échoue et ne tient pas sa promesse d'un accompagnement vers l'emploi adapté aux besoins. Ce déséquilibre se fait au détriment du privé d'emploi qui doit pouvoir faire valoir ses droits. Ce contrat d'engagement doit, à mes yeux, être pleinement réciproque et donc de facto équilibré. Pour ce faire, les droits des demandeurs d'emploi doivent être respectés. Pour y parvenir, le demandeur devra être informé de ses droits en matière d'accompagnement, mais aussi de ses possibilités de recours, je le redis, si l'État ne parvient pas à lui garantir cet accompagnement. Merci. Merci. L'amendement 479 de Mme Garand n'est pas défendu. Le 559 de Mme Simonnet. Mais écoutez, toujours dans la même logique, il faut, à travers cet amendement, nous souhaitons faire en sorte qu'il y ait des modalités de recours du demandeur d'emploi à l'encontre de son organisme référent si ce dernier échoue manifestement à remplir sa mission d'accompagnement. C'est un amendement qui a été travaillé avec la Fédération des acteurs de la solidarité. Je vous invite vraiment à y réfléchir. Il faut compléter la rédaction de l'alinéa 11 par l'information des modalités de recours
du demandeur d'emploi à l'encontre de l'organisme référent. Ça fait 2 jours que vous nous parlez de contrats d'engagement réciproques. Et la réciprocité, il va bien falloir à ce moment-là enfin la mettre. Parce que là, pour l'instant, c'est totalement déséquilibré au détriment du demandeur d'emploi. Donc si le gouvernement souhaite que des droits imposent des devoirs aux demandeurs d'emploi, il est aussi proposé que cette logique s'applique à l'organisme référent. Voilà, pour qu'il y ait enfin une réciprocité du contrat d'engagement. Merci. Donc avec cet amendement, on vous propose de faire en sorte qu'il y ait cette réciprocité. Là. Monsieur le rapporteur. Oui, je rappelle à nouveau que l'engagement de la responsabilité de l'opérateur pour carence dans l'exercice de ses missions est tout à fait possible selon une jurisprudence constante et bien établie, sans qu'il soit d'ailleurs besoin de le préciser dans la loi. Et dans le même lot, vous visez à nouveau l'État et ses représentants dont la responsabilité peut être engagée, puisqu'ils ne sont pas partie prenante au contrat. Le cas échéant, c'est bien la responsabilité de l'opérateur qui serait engagé. Donc je vous renvoie au premier alinéa que je viens de préciser. Donc j'émets un avis défavorable, restant constant sur le sujet. Merci, monsieur Turquois et monsieur Delaporte. Rapidement. Ça fait depuis 2 jours on nous explique qu'il n'y aurait pas assez de travailleurs dans les opérateurs pour accompagner. Puis alors là, on pourrait leur mettre la pression, comme quoi, s'ils n'avaient pas bien accompagné la personne. Vous vous rendez compte, la pression morale sur les travailleurs de ces opérateurs. Mais c'est, tout et n'importe quoi sert à alimenter une analyse qui n'a aucun sens. Monsieur Turquois, cette analyse qui n'a aucun sens, c'est juste celle du Conseil d'État dans son point 8 de son avis, qui vise à socler la jurisprudence qui a été évoquée par M. Christophe à l'instant. Donc il s'agirait simplement de faire une préconisation par l'adoption de cet amendement ou du suivant, dont on débattra demain matin à l'ouverture, de l'avis du Conseil d'État. Donc je vous remercie de voter pour cet amendement pour inscrire dans le droit une jurisprudence. Merci. Je mets donc aux voix cet amendement, l'amendement 1096, qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Les deux amendements identiques, avis défavorable, qui est pour, qui est contre, ils sont rejetés. Bonne nuit. À demain, chers collègues.